Bonjour à tous, à toutes ainsi qu'aux autres et bienvenue dans le château de Randall Flagg pour cette sixième édition de mémoire des soirées sandwich et microphone. Après 5 ans d'absence, nous voici de retour pour faire une soirée. Alors, pour ceux qui se rappelleraient pas des traditions, je rappelle, on a une entrée qui est le fait que tout le monde se présente. Suivi du fait que on est un petit sujet, on va dire l'histoire de se mettre en bouche. Ensuite un petit jeu parce que c'est toujours sympa. Et enfin on termine par un gros sujet et l'émission est diffusée en 2 parties. Encore une fois, je rappelle pour ceux qui auraient manqué ça, mais pour ceux qui sont en train de se refaire tous les SM, ça leur paraît évident, il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'on diffuse l'émission à la fin. Si par exemple, vous voulez qu'on retire un passage ou vous voulez finalement que le sujet est parti en live et que finalement on le diffuse pas, si la majorité veut qu'on le diffuse pas, ça sera pas diffusé. C'est pour ça que l'émission n'est pas en live, donc c'est pour ça aussi que vous pouvez vous permettre de faire des erreurs et de dire de la merde. Ayez pitié pour le monteur quand même, hein, bien évidemment. Le monteur est en moi, ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Alors attends, parce que... Alors, aucune pas. Pitié. Alors, attends, parce que moi j'ai pas compris, c'est à quel moment qu'on doit pas dire Hitler ? Merde. Ça commence bien. Du coup... Quand t'en dis un, t'es obligé d'en dire 3. Hitler, Staline. Non, ouais. Sinon il apparaît. Et on a déjà donné, hein. Ouais. Afin de commencer les hostilités, je vous propose qu'on fasse quelque chose de traditionnel, mais que les 3/4 des gens ne sont pas au courant, donc je le rappelle les règles. Chacun va présenter l'autre, tout en n'ayant forcément aucune idée de qui est l'autre, donc l'autre va devoir corriger après coup. Du coup, Bigasson va devoir présenter Dr. Zaius. On t'écoute. Improvise. Alors c'est très cool, c'est que là je viens de croquer dans mon sandwich, mais c'est pile le moment où tu me parles. Évidemment, mais c'est sandwich et microphone, donc quelque part le fait que vous ayez le boucher, je pense que c'est raccord du coup. C'est dans le thème. T'évites de mettre des miettes sur la bonnette. On s'y attend. Alors Dr. Zaius, c'est un... un thésard en podcastologie qui est là pour nous apprendre à comment faire des bons podcasts, voilà. Très bien. Dr. Zaius, est-ce que vous confirmez, infirmez, vous les complétez, peut-être? Pas vraiment. Enfin, je pense pas que je suis une référence pour faire des bons podcasts. Mais oui, puis de docteur, c'est pareil. C'est un titre que j'ai usurpé. Donc non, pas vraiment en fait. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, docteur Zaius, ou dans le podcast pour être très exact? Alors, qu'est-ce que tu fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? Je me le demande pour être tout à fait sincère. Mais sinon, dans le podcast, j'anime un podcast qui s'appelle Cornelius and Zira et on parle principalement de la planète des singes, mais pas que. Oh. Principalement quand même, beaucoup. Principalement, oui. Énormément. Pas que podcast complet sur la planète des singes. Mais pas que, des fois on parle d'autres trucs. Comme par exemple le réalisateur de la planète des singes. Voilà. Ou le frère du réalisateur de la planète des singes. Ou la famille du réalisateur de la planète des singes. Ou des fois les singes, vous avez vu comme ils ressemblent vachement aux personnages de la planète des singes? C'est vrai. Et les gens n'en parlent pas assez, je trouve. Alors, surtout qu'on ne voit pas ta photo, donc on risque pas de le savoir. Du coup, je me demande toujours Zaius... comment ils ont réussi à dresser des singes pour monter sur des chevaux. Mais c'est un autre débat. Du coup, Dr. Zaius, tu vas devoir présenter Draven. Avec les mêmes règles, tu peux improviser, dire n'importe quoi, il corrigera, complétera. Alors, Draven, c'est quelqu'un qui a une personnalité multiple. Il y a 24 personnes dans sa tête, ce qui fait qu'il y a 24 points de vue différents, donc 24 FPS. Voilà, c'est Draven. Bien joué. Joli. J'avoue. Et il y a Karine aussi, il faut que tu présentes en même temps. Ah, parce que moi, on m'a dit Draven. Alors, non, Draven c'est... présentera Karine et il a intérêt à dire que de la merde. Alors. Ah ouais. Excellent. Alors là, je dois corriger, c'est ça? Tu dois corriger, compléter, infirmer. Ok, il y avait un peu de vrai, mais oui, je podcasteur depuis 10 ans cette année, tiens, en fait. Joyeux anniversaire. Et effectivement, dans un podcast qui s'appelle 24 FPS, où on parle de cinéma, mais on n'est que deux. Et c'est pas moi les deux. Et C'est exactement ce que dirait un schizophrène. J'ai entendu des rumeurs il y a genre 30 secondes de ça, comme quoi t'étais plusieurs dans ta tête. Tu fais bien de préciser. Oui, mais non, c'est faux, c'est archi. Je tiens à dire que jamais personne n'a vu Draven et Julien dans la même pièce. Voilà, c'est ce que je tiens à dire. Factuellement, ouais. C'est vrai. Merde. Bon, bref, réfléchissez pas à ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Oui, et puis, il y a un peu de Battlestar Galactica aussi dans Galactifrac, parce que c'est la meilleure série de tous les temps. Et puis, quand j'ai le temps, je vais me promener, je raconte ma vie dans Artifrac également. Donc voilà, 3 podcasts.
Il reste quand même une base de fracassés hein, là-dedans. Ça a été moins bien. C'est... Non, ouais, oui. C'est pas le meilleur van. J'en tiendrai compte pour le prochain podcast. Du coup, Draven, est-ce que tu peux nous présenter Kikrin ? Bien sûr. Alors, Kikrin, je... Alors, en fait, bon, je vais être honnête avec vous, je sais pas trop qui c'est, elle me suit partout. Oh non, non, c'est... Et elle me fait peur. Mais t'as raison. Et elle rigole de façon très bruyante. Et en fait, de temps en temps, elle le fait en live. Mais de temps en temps, elle le fait dans des micros. Et on comprend rien de ce qu'elle raconte. Parce qu'elle fait que rigoler entre ses phrases. Mais à la base, voilà. T'étais censé mal présenter. Et là, pour l'instant, tout est juste. Hein. Jusque-là, ça va. Hein. Allez, sans foirer. Personne va comprendre que je suis une connasse. Oh putain. Comme une connasse. Bah, tu vois, elle le fait bien, elle présente mal. Ah oui, ok. C'est dur comme exercice en fait, j'ai pas l'habitude. On m'avait pas prévenu de ce bordel. Rembourser nos invitations. Ouais. Ah mais c'est pas si facile que ça. Du coup, Karine, est-ce que tu veux infirmer, confirmer et nous expliquer ce que tu fous là? C'est vrai que je. Oui, non, mais je rigole beaucoup. Pour rien. Et pas au bon moment. Alors là, j'affirme que... Ça te pose problème aux enterrements, d'ailleurs. Ils sont pas rigolés aux enterrements. Ça dépend de l'enterrement de qui, c'est toujours pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Hitler, avec nous. Hitler. Un cœur, on a dit, on arrête hein, avec lui. Ah, les ponts de Godwin, doucement. Et puis voilà, ce que je peux dire de plus, ben, des fois, je suis avec Draven dans... Galactifrac, merci. De rien. Dans un podcast, je sais plus le nom. Devant moi, hein, si tu as le truc, on parle de la série qu'il aime bien, là, il me saoule avec tout le temps. Voilà. Avec des robots trucs bizarres. Là. Mais tellement. Truc avec les choses spatiaux, la Star Wars. Star Wars, ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que Draven, tu viens de perdre ta co-animatrice. Voilà. Ah, il fallait, voilà, fallait. Mais ça fera peut-être plaisir à certains, on sait pas. C'est la soirée des règlements de compte. En tout cas, jusque là, c'est supportable. Jusque là, top 10 animé Bitrayol, hein. Vraiment, Gucci. Et du coup, Karine, oui. Après cette explication plus claire de qu'est-ce que tu fous là et qui es-tu, est-ce que tu peux nous présenter Pat, qui est juste alors, en dessous de toi dans le. Pat, eh ben Pat, lui aussi, hein, il est bizarre, il a plusieurs prénoms. C'est un peu chelou, quoi. Je crois que c'est un mec qui fait des podcasts, mais en fait qui est pas dans ses podcasts. Mais c'est possible, c'est une inception de podcast. Il a outsourcé au niveau du crowdfunding son record de podcasting. C'est un capitaliste, il exploite les podcasteurs. Même pas, c'est pas vrai. C'est de l'esclavagisme. Salaud. Non, mais c'est une escroquerie complète, c'est vrai, j'avais jamais pensé ça. Prends l'argent. En plus, tu sais ce qu'il dit ? Il dit viens dans mon podcast, ça te fera de la pub. Ouais. Et le pire, vous savez ce que c'est ? C'est que c'est même pas lui qui a inventé le concept. Hein. Mais c'est vrai. Même ça, il l'a volé. Le pire, surtout, c'est qu'il réalisait le club Dorothée. C'est surtout ça que les gens ont oublié. Et lui, merde. Lui, il le gagne. Mais ouais. Eh oui. Oh, ah, merde. Il est là, en fait. Loïc le gagne. Bon. Du coup, qu'est-ce que tu... Merci, Karine. Bah, tu confirmes, en fait, on est d'accord, hein, Loïc. Mais oui, je confirme complètement. Moi, si on dit que je suis un podcasteur, je dis, mais non, mais c'est du genre passion, je parle même pas dans le micro. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Non, en fait, moi, je viens oui, là pour savoir si est-ce qu'il faut que je parle dans le micro ou pas. C'est ma question du jour. Mais oui. Bon, on va attendre d'ici la fin de la soirée. Bah, en fait, oui, j'ai plusieurs prénoms. Alors, d'abord, c'était Aurélie. Bon, bah, comme c'était une femme, c'était un peu con avec ma voix. C'est bon, pas tellement féminin. Tu peux pas tromper grand monde, quoi. Comme c'est Aurélie, une femme qui fume trop, ça pourrait. Mais oui. Tu mettre une jupe au micro. Ah, tes pattes de Pat et Aurélie. Ah ouais, ouais j'ai pas capté. C'est la vie des moutons, tout ça. Oui. Ah ouais, j'avais pas capté. Mais putain, Loïc, mais pourquoi ouais, c'est celui-là. C'est un peu. Tu te serais présenté depuis le départ comme ça, ok. Non, mais c'est parce que c'est Karine qui l'a présenté en premier. Du coup, putain, mais. Non, mais même en rentrée tout à l'heure, quoi. Ça, c'est l'effet. Et du coup, cette en fait. Émission, elle dure combien de temps, là? Je sais pas. Bah, j'ai pris ma journée de congé demain. Pour l'entrée, bon. C'est une heure et demie. Ouais, à peu près. Yes. Incroyable. Tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures. Non, j'ai entendu ça quelque part. Bravo! Belle référence. C'est dans Mindtech, ça. Mindtech. On salue le principal intéressé, il sera très content d'avoir son podcast de déformé. Canton.
Canton. Ouais. Ah non, eh, commencez pas, vous allez nous l'énerver après. Putain, c'est nous qui subissons derrière. C'est pas les mecs sur SoundCloud. Oui, c'est ça. Il est sur SoundCloud57.com. Même sur Canton. Mais c'est pas genre tous les mercredis. C'est ça, à 23h. On a changé les règles, on présente mal quelqu'un qui est pas là, c'est ça. Il va être con de pas avoir été là, quoi. Ah, il va être dégoûté. Non, mais me faites pas rire quand je suis en train de boire, pensez à mes écrans, merde. Ça dépend ce que tu bois. Il y a des choses qui tâchent, ou pas. Du coup, Pat, est-ce que tu peux mal présenter Pof? Ah, mais je croyais qu'il allait faire toi, du coup. Ah, oh bah ça peut être moi, c'est celui que tu préfères, tiens, mets l'un des deux pas les deux en même temps. Comment on met de la pression, ouais, celui que tu préfères. Ni l'un ni l'autre, alors je sais pas comment faire là. Mais justement, c'est le but. Bah, tu fais un plouf plouf. Choisis celui que tu détestes le plus. Pof, hein, voilà, non, mais enfin, profites-en, tu dis des saletés et puis après tu dis non, mais c'était pour la blague. Mais balance bien sur le service qui est merdique. Je veux dire sincèrement ce que je pense, il sait pas coder. Ah bah voilà, ah bah ça c'est moi ça. Il a un petit écran, il a un clavier qui est pourri, enfin, ben ça, c'est moi. Il connaît pas Linux, enfin, c'est sérieux. Ouais, et puis, mais c'est sur un Mac, je connais Linux. Voilà. Faut le dire, quoi. Ouais, alors, du coup, Pof, est-ce que tu peux confirmer, infirmer qu'il parle bien de moi? Il parle bien de toi. Hein. Il a pas parlé de ton énorme bite. Ah, mais je vous confonds, en fait, c'est pour ça. Non, l'énorme bite, c'est moi, s'il vous plaît. Merci. Du coup, sans déconner, Pof, présente-toi un petit peu. Il faut que je me présente moi? Ouais. Bah moi je suis là pour parce que Phil a besoin de quelqu'un pour enregistrer parce qu'il pouvait pas le faire chez lui, quoi. Oh, non mais rappelons que la dernière fois j'étais pas invité de tous les autres épisodes, donc sous prétexte que oui j'étais avec une meuf pervers narcissique et qu'on était plus vraiment en contact parce que elle m'avait renfermé sur moi-même. Oui, ça devient très personnel. Putain, c'est vrai, c'était il y a 6 ans cette connerie. Comme tu m'as dit, comme tu disais que c'était il y a 5 ans. Et du coup, quand t'étais enfermé sur toi-même, est-ce que t'avais la tête dans le cul? En sortant, ouais. En sortant de la relation, ça fait mal. Il avait tellement la tête dans le cul, les cheveux lui grattaient la gorge, tu vois. Bah, ouais. Et sinon, du coup, il parlait avec un cheveu sur la langue. Il était très singulier. Moi, je suis un faux podcasteur et un vrai codeur de plateforme de podcast. Surtout. D'accord. Mais c'est pas vrai, tu vois, on fait quelques podcasts. C'est ça le plus important. On fait quelques podcasts, mais on en fait pas souvent. Mais c'est pour la blague. C'est de la merde ce qu'on fait. Hein. Non, moi, ça me fait rigoler, donc c'est bon, continue. Bah oui, mais en fait, il n'y a pas de préparation, il n'y a rien. Mais il y a du paiement, par contre. Oui, il y a pas de préparation, il y a du paiement. Préparation de paiement. Non, d'accord. Et voilà. Si on l'avait. Ah OK, très bien. C'est pas drôle. Mais j'aime pas quand je fais une vanne de merde, tu vois bien parce que tu rigoles pas, c'est peut-être parce que tu l'as pas comprise. Il y a pas de fusée mais il y a du check-off en tout cas. Pas sur le principe que quand tu fais une blague et qu'on rigole pas, c'est pas parce que ouais, ouais, c'est ça. Non, on sait jamais, tu vois, avec le décalage du mumble tout ça. Pas vraiment là-dessus. Pas vraiment là-dessus. Pas de fusée mais il y a du check-off. Non, c'était bien. Elle était bien. Non, c'était très bien. Elle était bien jusqu'à ce que tu la répètes 4 fois, quoi. Voilà. Pas expliqué, quoi. Bon, au bout d'un moment. C'est parce que vous avez compris avec le. Parce que c'est en fait, c'est pareil. Oui, non, mais c'est bon. Oh, je pense qu'on a compris là. Ouais. Ban. Bah non, ils sont deux. Regarde, ils sont deux sur le même truc. Et si on ban les deux. Si mes vannes c'est top, et ben ça paye off. Je me casse. Du coup, Pof, tu vas devoir me présenter mal. Ah, oh là là. Alors, c'est le moment de balancer les pires saloperies. Ah non, tu l'as déjà faite celle-là. Eh ben, bah, tu viens de te présenter, hein, les pires saloperies. Les pires vannes, surtout. Bah, c'est le mec qui dit partout qu'il travaille sur PodCloud, mais en fait, ça fait des années qu'on l'a pas vu. Le retour mais de Maton. C'est vrai, ça. C'est pas faux. Ah, oui, c'est vrai, on a dit mal présenté. Eh bah, c'est quelqu'un qui, franchement, m'a beaucoup aidé ces dernières années. C'est un ami sincère. On a fait vraiment une émission toutes les semaines. Il était jamais occupé, toujours là quand on avait besoin de lui. Dès qu'il y avait un bug, il a fait le mock-up pour le nouveau lecteur sur PodCloud. Ah, c'est vrai, non mais, attends, comme... Eh oh, quand même, respect. C'est vrai. Non, c'est mais vrai. Franchement, bah, je dirais que c'est le mec aussi qui est super fort en montage de podcast, quoi. Ah quoi ouais, c'est-à-dire que je prends un truc... Et c'est et bon. Et tu rajoutes un générique. Tu racontes mais tu fous de ma gueule, quoi. Donc voilà, c'était la mauvaise présentation de Feel Good. Est-ce que tu veux confirmer des choses? Non, en vrai, j'ai dit que des choses vraies, donc qu'est-ce oui, qu'on c'est... Alors, effectivement, j'ai pas été très dispo pendant tout le temps où je faisais un boulot de merde. Et du coup, maintenant, je suis un peu plus dispo. Donc, qu'on peut remonter à 5 ans, hein, du coup. Ouais, c'est vrai, il y a eu ça. Oh merde.
Après, il y a eu une dépression, tentative de suicide, il y a eu pas mal de trucs, bref, j'ai été occupé. Et Ça va, tentative, t'as juste fait des recherches Google. Ouais, j'étais très fort en recherche Google. Alors, faut pas plaisanter avec ça, s'il vous plaît. Et donc, le... Ah, mais moi, je plaisante pas. C'est pas une blague, hein. Non, mais je sais, mais, non, mais moi, je sais, il n'y a pas de problème, mais quand j'étais même. J'étais très organisé. Et donc, le... Il y a des dramatismes, mais il y a un fond de vérité. Hein. Toujours. C'est là qu'on trouve les meilleures vannes, avec un fond de vérité. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Là en ce moment, je m'occupe principalement d'être... T'as pas été très disponible émotionnellement, professionnellement, logistiquement ces dernières années. Et là, ça revient. Donc du coup, c'est pour ça qu'on relance aussi les soirées SM. Parce que un de mon titre, c'est Podcast Évangéliste. Je l'ai choisi moi-même. Je suis content. Et t'évangélises pas grand-chose là depuis. Et le but, c'est que justement, on reprenne un petit peu des bonnes habitudes, comme par exemple les soirées SM où on se retrouve et on passe une bonne soirée ensemble. Donc c'est donc parce que Jésus, il marche sur l'eau, il se noie pas normalement. Oui, mais Jésus, c'est pas lui qui a écrit les évangiles. C'est... Ouais, mais il a été un peu la base du truc, quoi, tu vois. Donc, mon but, c'est qu'on se marre un peu plus dans la communauté du podcast. C'est pas mal comme but. Ouais, c'est bien, ouais. C'est pas mal. T'as raison. On va faire ça. C'est un peu perdu. Correct. Mais on est obligé de parler de Jésus ou... On n'est pas obligé de parler de Jésus. Non, non, absolument pas. Moi, j'ai pas lancé le débat pour ou contre Jésus. Moi, y a pas de souci. Moi, du moment qu'il y a pas de truc à dire, c'est comme le premier zombie. Je veux dire, à partir de là. C'est vrai. Ouais, mais je crois qu'il a mordu personne, lui, par contre. Ah bah ça tu sais pas s'il devient un zombie après. Non mais attends, en tout cas à l'époque c'est pas Lazare, c'est peut-être le premier zombie, mais Lazare fait bien les choses. Moi j'ai envie de dire que le doute m'habite, mais bon voilà. Oh joli. Bah non, c'est pas joli, on la connaît par cœur celle-là, tout le monde l'a fait. Bah oui, il faut la sortir au bon moment, excuse-moi. Elle était bien sortie, elle passait, pouf. On sort pas ça, arrêtez s'il vous plaît. Du coup je vais présenter Poyo. Donc Poyo qui est un coq de basse-cour. Capable de tuer pas mal de monstres grâce à une découverte de Randall Flagg qui m'a montré tout à l'heure. El Pollo dans depuis, la BD. Depuis, j'en ai un peu plus peur. Et sinon, donc, c'est quelqu'un que quand il est arrivé, tout le monde a fait hey, c'est qui le con là-bas? Parce qu'il n'est pas habitué d'être dans la communauté. On lui souhaite la bienvenue. On est très content qu'il soit là. On est justement content d'avoir pas les mêmes connards. Bonsoir, Pollo. Bonsoir, Pollo. T'es censé mal me présenter. Là, c'est presque bien. Donc voilà, mettez-vous d'accord un peu. C'est parce vrai. Que moi là, je ne comprends rien. Donc du coup, voilà. le truc, c'est un mec qui s'est perdu par hasard. Yes. On peut dire finalement personne que... ne sait d'où il vient. Et mais qu'est-ce que tu racontes? C'est mon meilleur ami. On était ensemble à la fac quand on avait 9 ans et demi. Ah mais c'est lui sur la photo? Oui. Ah putain, d'accord, parce qu'il a pof a une photo sur son bureau avec un mec que je ne savais pas qui oui, c'était. Bah oui, c'était oui, pas oui, moi, je croyais qu'il m'avait déguisé trompé. Je suis déguisé en sandwich grec. Putain, c'est toi? Bah oui. Avec la petite salade et la tranche d'oignon, là. Ouais, bien sûr. On est dans le sujet, quoi, en fait. Parfait. Hein. Et c'est pour ça que, du coup, sandwich et microphone, le mec, il était déguisé en sandwich grec, c'est sa passion. C'est pour ça qu'il est là. Bah voilà. Et j'adore les microphones également. Tout commence à prendre du sens. C'est parfait. Ouais. C'est fou. Du coup, est-ce que tu as des choses à compléter, Poyo? Oui, j'ai également écrit Godzilla. Très bien. Mais en vrai. Bien joué, non. Je savais pas. Ouais, t'as vu? Non, en vrai, moi je suis, on va dire, le grand dirigeant et le grand gourou d'une petite asso. Ouais, non, même pas. d'un petit regroupement de gens qui font du podcast qui s'appelle Studio Carconcé. J'anime principalement l'émission Pragmastique tous les mois dans vos oreilles, le podcast qui n'apporte rien. C'est exactement ça. Tu mets des sticks dans les oreilles, j'ai pas compris. Ouais, oui, il faut se nettoyer les oreilles, pof, de temps en temps. C'est des sticks avec des bouts de coton au bout. Alors c'est très dé-recommandé par les OERL, ça, tu sais. Oui, pareil, ouais. Oui, oui, c'est vrai. Faut pas, c'est pas le sujet, on est en train de couper Poyo dans sa lancée. Non, mais c'est pas grave. Très gentil de pas laisser les gens parler. Franchement, on devrait vraiment lui laisser la place. Ouais, ouais, voilà. Vas-y Poyo, parle, parce que c'est vrai que c'est assez chiant de parler quand il y en a d'autres qui parlent. Ça s'appelle un coton-tige, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais, apparemment. Oui, c'est un coton-tige, c'est ça, mais faudrait vraiment laisser Poyo parler. C'est ça. Vous pouvez pas vous faire un de laisser Poyo parler, parce que depuis tout à l'heure, il essaie d'en placer une pour terminer sa présentation, et vous êtes tous là, blablabla, ma j'habitue. Non, mais c'est vrai que c'est pas normal, on devrait quand même le laisser finir, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant de... En fait, j'avais pas écouté les précédentes émissions, enfin, en tout cas, si je les ai écoutées, je m'en souviens pas, et je pense que c'était pas une mauvaise chose. Tu auras dû réviser quand même le concept de l'émission, parce que là, je pense que tu y es pas. Moi, j'aime pas trop les podcasts avec des intros trop longues. C'est encore un truc qui va durer des heures. Voilà. Non, en fait, vous m'avez pas dit, faut que je m'étais enregistré ou pas? Oui. On en était à Pragmastique. Voilà, tout à fait. Donc, on en est à Pragmastique, un mensuel. Et dernièrement, on a lancé, c'est plutôt un ami à moi qui a lancé une émission qui s'appelle Hot Takes et Slow Burn, qui sort toutes les deux semaines et qui est une émission absolument révoltante, je dirais.
je dirais même complètement scandalante. Scandaleuse. C'est pas scandalifiant. C'est gélifiant. Déjà. Ah, d'accord. C'est émulsifiant aussi. C'est plein de mots en fion. Scandalisme. Ouais. Plein de mots en fion, on connaît. Exactement. Ouais. Et oui, sinon, bah, j'ai écrit Godzilla, comme je disais tout à l'heure. Ok. Et ben, c'est bon. Mais regardez, je vais même le refaire. Godzilla. En fait, tu c'est-à-dire qu'à un moment, il a pissé dans la neige. Ouais, voilà, c'est ça. Il a écrit Godzilla. Regarde. Il écrit Godzilla dans le chat. Ah oui, très bien, et donc tu vas pouvoir présenter bientôt une émission qui s'appelle Godzilla sur le mode. Ouais, tout à fait. On est dû saisir. Ah, ce sera c'était mon idée. Ce sera une bimensuelle, les mois qui sont des multiples de 3. Voilà. Oui, dans cette émission, on lance le concept de podcast. Tous les mois qui finissent en ion. Ah, c'est très facile. Ça fait beaucoup. François Fillon, par exemple, tu vois là. Ouais, c'est un mois qui finit en ion. Ah, bah écoute. En fait, une bimensuelle. Une bimensuelle sur tous les mois qui sont des multiples de 3, on est d'accord que c'est qu'en décembre votre émission. Vous nous l'avez planté. Vous nous l'avez planté. Non, mais ça marche. C'était le ZQ en décembre. Ça fonctionne. Bah ouais. Ouais, ça fonctionne. Hein. C'est une émission de Noël. Je crois que t'as une ligne éditoriale, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah bon? Pour faire un podcast, il faut une ligne. Ah ouais, ok. Non, mais ça, c'est ce qu'on essaie de faire par Romain. Personnellement. Ah, moi, je crois que c'est une ligne. Comment tu veux qu'on se monétise si on parle pas un petit peu bilan, projet, etc. Chiffre, moula, quoi, finalement. Appelle Mathieu Gallet, je pense qu'il pourra t'aider. Ouais, voilà. C'est qui? Lui saura. C'est celui qui fait de la caillasse, Mathieu Gallet. Je sais pas s'ils font beaucoup de caillasse. Putain, mais elle était trop facile, celle-là. Putain, merde. Elle était facile, mais elle marche. Mais elle fonctionne. Elle fonctionne. Personnellement, tous les 3 mois, je reçois un mail avec marqué cher CEPA, tes oignons. Profitez de Magellan à 99 centimes d'euros pour 3 mois. C'est vrai que aïe. Je me demande si t'étais pas ici quand tu l'as fait ce compte. C'est possible, oui. Oh putain. Mais ils ont gardé mon mail. Hein. Eh ben, on a actuellement perdu des gens. Du coup, Poyo, est-ce que tu peux nous présenter Randall Flagg? Alors, je crois qu'il est né en 1492. Ouais. D'où le chapeau. Oui, tout à fait. D'où le chapeau et bien entendu la brosse à dents en sautoir. Brosse à dents qu'il a reçue du sultan d'un pays, de Sultanie. Non, c'était le sultan de Sultanie. Ah, ouais. C'est pas Nagui qui distribuait les brosses à dents? Bah si, normalement. C'était bien après. C'était en 1481. Voilà. Vous n'avez pas écouté ce que... Oui, mais ils écoutent pas. Quand ils faisaient n'oubliez pas les brossages. Mais non, ils écoutent pas, et quand je parle, ils me coupent. Ouais. Franchement. Mais tu t'imposes pas aussi, mais le podcast c'est ça, faut s'imposer. C'est un de merde. Mais faut s'imposer, putain. Taisez-vous. Le ras-le-bol d'un podcasteur. Voilà. Ça va. Donc voilà. Et de souvenir, je crois qu'il a gagné le prix Nobel de médecine en découvrant la soupe de lait aux céréales. C'est de biologie. Parlons des vraies choses. J'ai toujours ce graphique sous les yeux et ça me fait fondre le cerveau. Je comprends. Alors après, tu peux infirmer éventuellement cette histoire de soupe au lait avec des céréales parce que je n'ai pas bien compris moi-même. Alors, mais si c'est sur Wikipédia, c'est vrai. Alors j'aimerais corriger 2-3 trucs. C'est que j'ai un caractère assez norme, assez normal, et donc je ne suis pas soupe au lait. Déjà, ça c'est la première chose. Moi je trouve ça intéressant d'avoir rajeuni quand même, 1492. Oui, c'est ça, parce que 1400, il y a un petit modulo 256 rajouté. Tu te brandes pas assez bien. On y revient. Voilà. Ah bah si vous voulez des conseils, moi j'en ai. Hein. un petit modulo 10 000 à rajouter, puisque en fait je repars à zéro tous les 10 000 ans. Ah oui, comme. C'est pratique hein, le reset. Hein. Et sinon, oui, je confirme la brosse à dents, c'est très bien. D'accord. C'est très pratique en plus quand t'es en voyage et que tu l'as oublié, pouf, tu l'as. Je suis ravi parce que j'avais lu ton autobiographie en 6 tomes et je pensais avoir mélangé deux chapitres. Ah bah... Donc c'est très bien. Non, c'était ça. Parfait. Et du coup, en vrai, Randall, quand même. Ah, en vrai, je suis Randall Flagg. Qu'est-ce que je fais de spécial? Je fais des podcasts des fois avec CVT. Ah, je fais partie de l'organisation de Podren. Du coup, de la sauce Bad Geek. Toujours Podren à Podren. Et je fais des petits dessins sur Internet. Poulou. Et qu'on peut retrouver sur ton compte Gribouillon. Et puis surtout maintenant, surtout sur Randall Flagg. Ah, surtout sur Randall Flagg maintenant, plus sur Gribouillon.
Bah ça fait 5 ans, je sais pas, moi je suis les deux, donc je sais jamais sur lequel je suis tombé sur le dernier gribouillon de beurre. Bah voilà, c'est plutôt sur Randalfleck que je les mets. C'est d'accord. Vrai que je devrais les mettre sur l'autre. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter Redscape? Ah, fais gaffe alors, à ce que tu vas dire. Alors Redscape, sachez que c'est un type assez exceptionnel, puisqu'il a voyagé dans le premier vol commercial dans l'espace avec SpaceX, là, avec Elon Musk. À d'où l'écho? Il faut savoir aussi que... exactement. Putain, tout s'explique, c'est le ping. Voilà. Il est aussi dans Mindtech, parfois. Je connais pas. Mindtech. Et il nous a avoué tout à l'heure qu'il a présenté un temps le journal du Hard. Exactement. Ah putain, ça m'aurait tellement... En remote, bien entendu. En remote, en solo, et puis... Avec un dispositif spécial, ouais. Ouais, c'était ça. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il a été blanchisseur pour Podren en 2021. Oh hein, putain, il avait les abyssales. Allez, la fin. Blanchisseur quand tu... Non mais pff, tu peux pas, non. Tu peux tellement pas, mec. Mais non. Tu pourras jamais l'empêcher. Et c'est ça qui est beau. Jamais. C'est pas possible. J'ai pas dit que les abyssales étaient faits à Blaby. Ah, non mais... Ah non. Putain, mais c'était le pire. Celui qu'il fallait pas qu'il me présente, putain. Bon, allez, vas-y, continue. T'es bien parti. Et voilà, à part ça, quoi vous dire, il sait très bien faire de l'écho sur Mumble. Je crois que c'est à peu près tout. C'est vrai qu'il l'a super bien fait tout à l'heure. Ouais, bah moi, on aurait presque et pendant longtemps, il l'a tenu longtemps. Hein. Ouais. C'était une belle bref. Ouais. Ouais, c'est vrai. Comme on dit dans les hôpitaux. Du coup, Redscape, je pense que là, cette description est tellement j'aime parfaite bien. Que tu as rien à rajouter. Ouais, bien sûr, j'ai rien à rajouter. Ouais. On t'écoute. Et tu vas d'ailleurs nous quitter parce que mais depuis le début, vous voulez que je vous quitte. Non, Redscape, qu'est-ce qu'il fait? Redscape, c'est ce que disait mon ex. Ouais, exactement. qui a fini par le quitter. Donc non, Redscape, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les abyssales. Donc comme l'a si bien dit Randall, puisque voilà, ça ne lave pas le linge sale en famille, en public ou ce que vous voulez. Voilà, ça lave rien du tout. Ça lave vos oreilles. Tiens, si. Ça lave de fruits. Joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Moi, je connais mes classiques quand même. Donc ouais, producteur des abyssales depuis 2014, dont une personne ici est passée aussi. Et je confirme en plus qu'elle ne rigole pas en fait pour mes podcasts. Parce que j'ai réécouté cet été ces émissions que j'ai fait avec elle et effectivement elle ne rigole pas. Voilà. Donc, c'est parce que tu la fais pas autant rire que Draven l'a fait rire. Mais je crois que ça doit être ça. Je la fais pas autant rire. Bah écoute, il y a des gens qui sont plus doués pour ça. Voilà. Bon bah. Tant mieux. Pose-toi les bonnes questions. Voilà. Producteur exécutif de la Space MR que je fais avec l'hôte de ce podcast là. Voilà. Et puis diverses activités sur internet, dont de la musique, parler dans un micro, du Techcraft de temps en temps, enfin surtout tous les jeudis soirs, hein, du Minecraft. Oui, c'est jeudi soir maintenant. Ouais, effectivement, ça a changé. 21h. Voilà, il y a une grosse voix qui l'annonce normalement. Enfin, une grosse voix quand il en l'autre main de soirée. Parce que ah oui, c'est vrai, parce qu'il me semble qu'avant c'était le jeudi soir à 21h, non? Oui, ouais, c'est ça. Mais du il coup, le sait jamais. Mais ouais, mais ça, en fait, il maintenant, le fait quand. C'est... Non, maintenant, mais il c'est le jeudi soir, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. À 21h. Voilà, c'est à 21h. Mais il le fait en général le vendredi matin, la bande annonce, parce que bon, bah, du coup, il a une voix un peu plus grave, ou un autre jour quand il a une voix un peu plus grave, parce qu'il était bourré le soir. Donc voilà, ça faut le savoir. Sinon, il a une voix tout à fait normale. Je salue mon patron, du coup. Et puis voilà, j'emmerde des gens avec ma vie de famille. Et puis voilà, c'est cool. Et puis je me fais virer de podcast, de podcast. Donc voilà, il y a plein de choses. Voilà. Toute autre chose dans bah d'ailleurs, on va continuer sur cette lancée. Ouais, exactement. Il faut voilà. Pas faire la main, non, bah, absolument tu vois pas, la non. Porte. Là. Oui. Tu vois, oui, mais je sais bien, je non, sais l'autre, bien. L'autre. Oui, non, mais ok, non, d'accord, mais je suis devant. Du coup, je la prends, c'est ça? Okay, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Corrigez-moi si j'ai une connerie, mais moi, la dernière fois que j'ai écouté TechCraft, c'était un jeudi soir, non? Ouais, ah non, mais c'était ouais, mais c'était bah, tu t'es trompé alors dans ces cas-là, parce que c'est pas un jeudi soir. C'est un autre podcast. C'est pas le vendredi, mais c'est la veille. Ouais, ah, c'est la veille du vendredi, ouais. Autant pour moi. Et puis, bah, exceptionnellement, je pète mon câble de temps en temps en faisant des émissions complètement what the fuck, voilà, donc, ouais, bah, parce que j'aime bien ça. En général, c'est le vendredi à minuit, mais il commence 3 heures avant. Ouais, exactement, voilà. Ouais, parce qu'il faut régler un peu l'écho avant, donc tu comprends, c'est pas super facile. Je suis sûr que Prof a compté sur ses doigts pour savoir combien d'heures avant c'était. Absolument pas. Je maîtrise très très bien tout ce qui est horloge. Je suis juste à côté de lui, et je peux t'assurer qu'il l'a fait. Il avait réussi à faire 4 calculatrices différentes. Eh ben, je suis mais juste voilà. À côté de lui, je peux t'assurer que c'est un connard. Ah ben ça, oui, mais ça c'était ok. Mais ça, depuis longtemps, c'était ok. Donc voilà.
Du coup, est-ce que tu peux nous présenter TMDJC, s'il te plaît? Oui, éventuellement, mais le truc, c'est que j'ai beau l'avoir rencontré en vrai lors d'un Podren, je sais plus, je crois que c'était le dernier Podren qui avait été, que j'avais visité en 2018. En fait, on s'est vu à Podren, on s'est vu à MP3 Paris. C'est ça, Podren, MP3 Paris. Non, c'est MP3 Paris la dernière fois, oui. Et moi, le dernier souvenir que j'en ai de TMDJC, c'est que du coup, je sais pas dire son nom de manière normale quand je commence à avoir c'est quelques grammes. C'est TMDJC. Mais il m'a fait énormément rire parce qu'il fait des vidéos sur Twitter et franchement faut le souligner. Voilà, putain, ce mec là il a du talent, voilà, c'est juste ça, c'est du talent brut. Et puis sinon, à part le fait qu'il me signale qu'il y a un problème sur les abyssales parce que putain, mais ils sont où les sons? Et effectivement, grâce à lui, je me rends compte que mon flux est pété la plupart du temps. Ah, c'est lui ton auditeur du coup? Exactement, c'est lui mon auditeur, ouais. Alors il a attends qu'on dise bien les choses, il a cliqué 42 000 fois sur le même podcast, voilà, pour arriver à ce tous ces bots, c'est fou quand même. Ah ouais, c'est clair, c'est une vraie plaie. Hein. Tu te rends compte qu'il a tous les abyssales et qu'il lui reste des bots? Exactement. J'aime bien. Exactement, mais on réglera nos comptes plus tard en privé parce que bah les abyssales, l'inchal, tout le bordel. Mais en tous les cas, voilà, moi je peux pas dire du mal. Je peux pas dire du mal parce que voilà, moi je dis pas du mal des gens. Ça fait trois fois que tu le dis. Je sais, je suis d'accord. Donc moi j'ai envie de dire bah voilà, ça mec bien parce qu'à chaque fois que je l'ai rencontré, on a eu des bonnes discussions et tout ça. Donc voilà, moi j'ai envie de dire non, c'est pas mal. C'est pas ce que tu nous disais en fait, le présenter mal, ça veut pas dire dire du mal. Ah pardon, non, c'est juste le présenter de façon incorrecte. Ah, voilà. Mais parce que ce qu'on a fait, on a même balancé des insultes, mais c'est pas ça. C'est parce qu'on est con, oui. Parler mal, présenter mal, tu vois. Alors, si tu veux que je le présente mal, je sais qu'il est intervenu une fois dans un TechCraft où il nous a saoulé pendant 2 heures parce que, alors, le même jour, il y avait une mission sur Mars, donc voilà, machin. On a dû le couper plusieurs fois, donc moi, ça m'a pas dérangé parce que, en vrai, j'aime bien couper les gens. Après, il a repris, parce qu'il s'est dit, bon bah, je suis quand même invité, mec. Putain, tu arrêtes avec ta mission sur Mars de merde. On en a rien à foutre. Et puis bah finalement on l'a recoupé parce qu'il y avait encore autre chose le soir-là. Mais en fait il est bien rentré pas dans la valise quoi. Bah ouais voilà c'est ça exactement. Ouais, voilà. Et donc voilà c'est comme ça que je résumerai TMDJC dont exceptionnellement j'arrive à dire le nom. Je pense que c'est voilà c'est, ça sera le seul soir. Donc voilà. D'ailleurs c'est un petit Mumble Chronicle. Je pense ouais. Donc je pense que ça se prononce TMDJC. Non c'est toujours possible. Donc du coup non ça se prononce Chris Prolls non. Ah merde il faut que j'en oh putain j'ai craché sur la bonne du micro merde. Oh merde Francis Cabrol alors Hitler Staline Sarkozy non merde pardon. Du coup est-ce que tu peux nous confirmer infirmer compléter peut-être ce qui a été dit sur c'était, toi. C'était parfait. Et que dire de plus? Je fête mes 20 ans de podcast cette année. Je suis très content. Oula, j'ai cru que j'allais dire je fête mes 20 ans. J'allais me dire non. Mais ça, c'est moi, ça. C'est et voilà. Et puis j'anime tellement de concepts différents que je les cite plus parce qu'au bout d'un moment, ça fait une demi-heure à chaque fois que je commence ma liste. J'ai lancé 2 nouveaux concepts cette année, dont Périphérique 2 que j'enregistre avec mon frère et mon père. Donc c'est un podcast musical qu'on fait en famille. On peut le regarder donc, si on n'a pas vu le 1. Donc je suis très content. Non est-ce que c'est la suite de Piri Mason? Non, c'est la suite d'une autre émission qui s'appelle aussi Périphérique 2, mais je vais pas rentrer dans les détails, ça va être trop compliqué. Mais en tout cas, sachez que d'accord. C'est une émission où on est capable de mélanger du Beatles avec du Vald et ça passe très très bien. Mais tu les niques avant ou tu fais quoi? Et du coup, tu niques ta mère, comment ça se passe? Voilà, je n'en dirai pas plus. Écoutez Périphérique 2. Ah, carrément. OK. J'irai écouter parce que tu en as pas fait assez la pub, je pense. Pour que ça atterrisse pas dans mon flux Twitter. C'est vrai que tu peux niquer c'est bonjour. Et ta mère. Goodbye. Bon. On avait dit pas les mamans, je crois. Est-ce que je présente Picasso du coup ou pas? D'accord. On avait dit pas Hitler, mais c'est trop tard. Oui, c'est ça. Voilà, est-ce qu'on peut dire les mamans? Je pense que le TMDJC peut présenter Bigaston. Oui, tout à fait. Ouais, parce que moi je voudrais qu'on parle de mon Jules. Parce que les gens ne le savent pas, mais Bigaston et moi, c'est quand même une grande histoire d'amour qui a commencé parce que j'avais besoin de chapitrer mes podcasts et depuis, voilà, on s'est rapprochés. ce type-là me met plein de capsules pixels dans les yeux.
À chaque fois que je le vois, je frissonne de toutes parts. Ce mec-là est intéressant dans tout ce qu'il dit, même quand il parle de trucs qui ne m'intéressent pas. Il faut aimer Bigaston, vraiment. Mais attends, là, tu le présentes sérieusement ou pas ? Parce que moi, je comprends plus rien. Là. Ce qui est dommage, c'est que tu l'as présenté mal, là. Donc ça veut dire tout le contraire. Ah non, vous n'avez pas dit que c'était le contraire. C'est vrai. On avait attention, dit que c'était mal, quand même. Non. Bah, oui, pourquoi mais j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de dire c'est mon Jules ? Il l'a présenté mal avec un accent circonflexe sur le A, en fait. Du coup, il l'a présenté. À un moment donné, il a dit quand même qu'il lui mettait des capsules dans les yeux. Je crois pas que ce soit vrai. Donc... Surtout que ça doit piquer parce que c'est. Ah, aïe. C'est vrai que les capsules dans les yeux, c'est chaud. Quoi. Ouais. Donc voilà, je sais pas s'il y a des choses à compléter parce que je trouve que c'était très bien ce que j'ai dit. Ouais. Ouais, c'était magnifique. Bah, moi, je suis assez d'accord sur le fait que Capsule Pixel, c'est un des trucs les plus sous-cotés d'Internet en ce moment. Mais non, mais carrément. Vous, oui. vous en faites pas. Bonjour. 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 Oui, je m'appelle Jules. Voilà. C'est... Voilà, ah oui, c'est vrai. Il a pas entendu ton vrai nom. Heureusement que t'as complété. Tu sais, il y en a bien qui s'appellent Loïc dans le stream et en fait, il s'appelle pas Loïc. Personne s'appelle Loïc dans le stream. What the fuck. Mais franchement, énorme. Hop. Du coup, Bigaston, est-ce que tu veux compléter des. Infirmerie. Aller à l'infirmerie. À part que. Nous parler de YouPod. Ouais. Devenir infirmier. Connaissez-vous YouPod? Non, à part que tous les compliments me font plaisir, mais ils sont vachement surcotés, je trouve. Mais, enfin. Mais c'est surcoté, mec. Surévalué. Et non, je fais des podcasts, je suis développeur, je développe beaucoup de conneries, dont YouPod, qui marche maintenant à peu près, mais qui arrive dans la phase pod cloud, c'est-à-dire les 5 ans de pause avant de reprendre le développement. Avant le Oh, ça taille. Mais alors. On dit pas de pause, on dit de burn-out. Avant les 2 ans de burn-out. Mais ça arrive aussi, tu vois, je viens de commencer le monde du travail, là, ça arrive. Mais non, voilà, je suis développeur, je fais. Oui, ça va de pair, hein. Et voilà. Quand ils t'embauchent, les gens, ils te disent 2 ans d'expérience et 2 ans de burn-out. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, franchement. Je serai prêt bientôt. Mais je voudrais rajouter un petit truc par rapport à ce que disait Redscape tout à l'heure, qui était très embêté. Redscape, celui qui est parti là. Merde, il s'est barré. Non, parce que il était traumatisé quand Phil était en train d'exprimer justement, puisqu'on parlait de burn-out à un moment donné. Mais je tiens à dire que mes 5 dernières années étaient vraiment des années de merde, mais à un point. Et je trouve ça assez drôle qu'on puisse en rire et de se dire, bah oui, en fait, finalement, voilà. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, moi. Et encore, on n'a pas parlé du décès de mes parents. Ben voilà. On garde ça pour la deuxième partie. Et oh, j'ai fait problème, ça. Il y a une différence d'âge aussi. Non, oui, papy, il a fait un AVC ce week-end. Oh, trop bien. Oh, j'aime bien cette décomplexion. Voilà, c'est génial. Sympa. Ça fait des vannes futures, ça. Et moi, j'ai tué des enfants. Allez, bah, je remets le rôle, s'il te plaît. J'en ai 4 à tuer, donc éventuellement, je m'adjuge le rôle. Merci. Du coup, si vous le voulez bien, maintenant que tout le monde a été plus ou moins bien présenté... En seulement 40 minutes. C'est normal, ça fait cette émission ne va pas durer 6 heures, bien c'est sûr. Pour ça que le premier sujet est toujours un peu plus court, parce que la présentation est une partie un peu... Alors, est-ce que vous aimez les Knacky Balls? Donc ça veut dire que vous avez des préliminaires, allez, et là, ouais, ok. C'est ouais. Ça. Je voudrais qu'on parle de la rentrée du podcast, là, cette rentrée actuelle. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Et au hasard, tiens, on va commencer par Zaius. Tiens, pourquoi pas? Oui, alors moi je suis un peu le cancre parce que moi la rentrée je l'ai toujours pas commencé. Faillou, pourtant. Ah putain, c'est... tu fais partie des connards qu'on attend du coup. Non, attends, alors cela dit, je suis aussi le connard qui attend parce que j'ai essayé de lancer un nouveau truc avec de nouvelles personnes qui jusqu'ici n'ont jamais fait de podcast et donc je leur ai dit écoutez-le quand même avant que je le publie et ils m'ont toujours pas répondu. Donc voilà, tu le publies et tu leur fais écouter après hein. Ouais, vas-y, publie là. Voilà. Et du coup, c'est quoi, tu peux nous en dire plus tiens vu qu'on t'a sous la main. Alors c'est sûr que là je vais le dire maintenant que j'ai le dire, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Mais quand je dis que je parlais pas que de la planète des singes, j'aime bien parler de musique aussi et donc j'avais envie notamment la BO de la planète des singes. Hein. Notamment. J'aime bien parler des singes et des planètes également. Exactement.
Et donc, ouais, non, j'avais aussi un format musical qui s'appelait la Ape List, et j'ai eu envie d'essayer de faire quelque chose en présentiel. Et donc, voilà, avec des amis qui, je le redis, qui n'ont jamais fait de podcast jusque-là. Et donc, on a enregistré un épisode, c'était très marrant d'enregistrer en présentiel, et donc on a parlé de musique et principalement de punk rock, parce que c'est surtout ça la musique que j'aime. Voilà. Sympa. C'est quoi le titre, du coup? Eh ben, si ça sort, ça s'appellera Apes and Bears. si ça sort, ils ne seront plus amis. Pour ceux qui seraient pas bons, c'est le nom d'un podcast ou d'un club gay? On est d'accord. Bah rien. On est d'accord. J'ai rien contre les gays, mais on est d'accord. C'est des singes, non? C'est grands singes, oui, tout à fait. Oui, on est d'accord. Hein. Donc on reste dans le même thème. Tu vois que bientôt il va nous faire un podcast qui s'appellera Le Corps Céleste des Primates. Non, mais il faut qu'il y ait et. Donc c'est un corps céleste et primate. Oh merde. Aïe. Mais là j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans la présentation. Donc, peut-être en ce moment, je sais pas si je suis la meilleure personne parce que j'ai l'impression que j'écoute moins de podcasts en ce moment. Ah, mais c'est pour ça que j'ai dit au hasard. Hein. J'ai littéralement fait au hasard. Ah ouais, non, bah, c'était très au hasard. Donc je pense que je suis pas la meilleure personne pour en parler. Donc je refile la patate chaude à quelqu'un d'autre. Donc pour reprendre quelqu'un qui n'est pas un cancre parce qu'il y a eu des épisodes de fait, même si bon, il triche, Pat. Bah, qui dit rentrer dit qu'il y a des saisons quand même dans le podcast. Mais il n'y a pas de saison dans la vie du monde. Il n'y a plus de saison maintenant. Envie dans une société. Hein. Cet été, moi, de toute façon, il n'y a pas de saison pour que vive la musique, pas de saison pour que vive le son. Évidemment. Exactement, voilà. Mais il y a eu quand même un petit peu moins d'épisodes sur la vie des moutons pendant cet été, non? Si, il y en a plus l'été, je trouve. Ah ouais? Ouais. Ah oui, il y en a eu là. Voilà, il y en a eu. Ok, c'était pas mon impression, y a eu mais. Même des nouveaux. Gecko n'est pas parti en vacances, non? Ouais, moi, je pars pas en vacances, moi, je suis sûr. Non, je parlais de Gecko. Qui fait quand même la moitié de tes épisodes. Non, Aude, elle part pas en vacances. Jamais. Mais elle part jamais en vacances, elle est à 10 000 volts. Un abonnement gratuit sur Podcloud, faut lui filer, quoi. Bah non, elle va nous coûter cher. On peut lui donner, mais on ne l'utilisera pas. C'est vrai que c'est pas rentable. Elle préfère poster chez les autres. C'est clair. Elle est même dans CVT. Mais il n'y a aucune critique. Hein. En tant que poditeur, c'est compliqué la rentrée parce que moi je l'ai toujours en retard. On verra cet hiver quand j'écouterai ceux de septembre. Quoi. Mais. Trois mois de différence. J'adore cette réponse, on va la garder de côté celle-là. La rentrée du podcast, on a vite dessus. J'attends de rattraper, ça sera probablement en décembre. Ouais. Je peux te donner la vraie question, c'est le podcast de 2007. Le premier confinement, du coup, mais non, tu l'avais que en août. J'avais écouté. En fait, les sondages chez le microphone, ceux de 2018, c'est 2018 hein, le dernier. Je crois. Non, 2015 presque. Voilà. 2015 parce que je compte. Oui, mais il a écouté en 2018, c'est pour ça. Qui était un sandwich chez microphone. Ah un oui, peu particulier. C'est vrai qu'il y avait celui de Podiversaire. Excuse-moi, je veux pas t'apprendre à faire du podcast. Il était mais tu peux parler dans le micro, s'il te plaît. Celui du Podiversaire, il était forcément moins bien. J'étais pas dedans. Et oui, évidemment. Et du coup, il manque tout l'humour et les blagues à deux balles. Et voilà. Ah mais c'est le seul que j'ai fait, je crois. Oui, donc il était forcément moins bien. Et ben oui. Voilà. Donc, tout se confirme. T'imagines la catastrophe. Je sortais de ma dépression. Ouais. Comme quoi, il s'en est passé des choses. Mm. Et toi, tu comptes en nombre de dépressions. Oui, c'est ça. Première oui. dépression, deuxième dépression. Alors moi, je sortais boire dépression. Non. Exactement. Et après, on n'a pas pu pendant un bon moment boire dépression. C'est vrai. C'était compliqué quand même parce que je me suis retrouvé avec la mort de ma dignité, la mort de mon père, la mort de ma mère. Noël. Ouais, c'est pas mal. La mort de Johnny également. Ça fait beaucoup ces 5 dernières années, quoi. Oui, il y a eu la mort de Johnny aussi. Aussi. Ouais. Ah oui, bah, c'était le pire, ça. Mais du coup, on peut dire qu'il était sous pression, c'est ça? Exactement. C'est ça. Non, mais la rentrée du podcast, la blague qu'on faisait avant de commencer l'enregistrement, c'est est-ce qu'il y a vraiment une rentrée? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que là, tout le monde n'est pas forcément au rendez-vous cette année. Il y a beaucoup de nos promesses. On va dire que je pense que c'est par peur du Covid, mais il y en a pas mal qui sont pas revenus à l'école, quoi. Eh ben, ils ont peut-être bien fait, hein, parce que si tu veux parler du Covid et des écoles, apparemment, ça flambe pas mal. Non, on n'est pas sur un sujet sérieux. Brûler les écoles? Ils vont, ouais. Putain, je comprends plus rien. C'est pour désinfecter. Oui, ça doit marcher pour désinfecter, Marc. Non, mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu un truc aussi mou, c'était ma, bon, bref, c'était pas terrible. Ah, donc, tu refais les blagues que t'as fait au rentrée. Oui, oui. Et alors qu'on t'a dit mieux, qu'elles étaient pas bien. Oui, non, c'est ça qui est terrible, c'est que tu persistes. Ah oui, je persiste et je signe. Bah, je vais pas dire, j'ai écouté backstage, il y a les mêmes blagues, hein. Ouais, j'allais dire, je crois que ce sujet, il a déjà été abordé à l'époque. Alors, il a été abordé entre Pof et moi, mais justement, nous, on voudrait surtout votre avis. Ah, mais c'est de là que t'as sorti ce truc-là. C'est vrai, on l'a déjà fait, nous.
Ouais. On a déjà fait cette émission. Et d'ailleurs, en fait. C'est beaucoup mieux que filer pof et je sais plus comment. Ouais, enfin, machin là. Ouais, c'est sérieux, P2P. Ouais, c'est mieux que le P2P. Ah, c'est sérieux quoi. Bon, alors juste pour ceux qui connaîtraient pas, je fais un petit peu de contextualisation. Ouais, parce que là personne va comprendre. On a sorti une émission qui s'appelle PodCloud Backstage où on parle des coulisses de PodCloud, où on explique un petit peu ce qu'on a l'intention de faire, etc. Globalement, on peut résumer tous les épisodes par c'est la merde, il y a le temps, il y a le temps pour rien faire, on n'a pas le temps et on n'a pas avancé. Voilà. Ça va être un petit peu le fil rouge. Le leitmotiv. Et le leitmotiv, tout à fait. Et la motivation de la lumière. On a aussi une émission qui s'appelle le P2P où on raconte n'importe quoi. Et donc, du coup, t'es en train de nous dire que le backstage, c'est mieux que le P2P, alors que moi, j'avais me trouvé plus chiant. Non, c'est complémentaire, mais des infos sérieuses, c'est sympa aussi. Ok. Les gens sont pas habitués à nous entendre. T'as vu comment il a rattrapé le truc, c'est complémentaire, il a dit. Ouais. Non, mais moi, c'est malin. Non, mais du moment, on avait l'impression d'être allé un peu rapidement, en fait, quand on l'avait fait, cette émission, au sens que... moi, je me suis fait grave chier, j'ai trouvé ça long. Faut se caler, oui, non, mais c'est... Ok, bon, moi, j'aimerais bien vous, mon avis, mais je l'ai pas écouté. D'avoir des trucs sérieux. Ok, bon, bah... Et du coup, toi, Randall Flag, ton avis, vu que tu l'as pas écouté, c'est quoi? Ben, je dirais qu'à mon avis, je ne l'ai pas écouté. À mon avis. Hein. Ça veut dire allô en espagnol. Ah, il y a un truc qui veut dire allô en espagnol d'après Google. Ok, Google. Ça veut dire allô en espagnol. Ah oh, putain, le mien, il vient de Tais-toi. S'activer en plus. Mais enfin, vous n'avez pas un casque boxe. Ferme ta gueule, Google. Non, voilà. Le pire, c'est qu'il y a le chien à côté qui croit qu'on l'engueule, du coup. Il y a le chien à côté qui s'appelle Google. Putain, vous êtes trop lourd. Il y a son chien Google aussi. Bon, et si on revenait sur le sujet. Ouais, voilà, j'allais dire, loin de moi l'idée de recentrer le débat, mais la rentrée. Il y aura pas ça y est, le mec fout la merde. Mort, c'est tout. Mais déjà, on parle de rentrée des podcasts, mais au lieu de se poser la question, est-ce que c'est la rentrée, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un podcast? Est-ce que ça existe encore un podcast en 2021 quoi? Ah, ça, c'est une vraie question. Je j'adorerais qu'on en parle. Ah, c'est surcoté en 2021. J'adorerais qu'on en parle de ça. Mais... Alors, d'après les nouveaux podcasteurs, non, parce que les nouveaux podcasteurs qui sont arrivés et qui disent que, bah, du coup, ils ont un petit peu inventé le podcast, non, ah, c'est pas nouveau, ah oui. Ça. Ah, allez, ça bah y voilà, est, ça fait les rageux qui détestent les nouveaux podcasteurs. Exactement. J'adore, merci, continue. Mais pas du tout. Alors, mais moi, je suis très content qu'il y ait des nouveaux. Au contraire, mais non, mais c'est toujours rigolo, effectivement, de voir des gens qui arrivent dans un milieu qu'ils connaissent pas et qui t'expliquent, qui veulent regarder tout ce que j'ai fait. J'entends bien. C'est très bien. Non, mais tu sais, ces podcasts-là, ils ont une durée de vie qui dépasse très très rarement les 2 ans, qu'au bout de 2 ans ils se disent ah oh, bah en fait c'est chiant, bah on arrête quoi. J'en ai un ou deux là qui se sont arrêtés, j'ai pas gagné d'argent avec ça, ou alors ouais j'ai pas fait une thune et... mais c'est ça, mais mais c'est moi qui connaisse pas du coup la création sur internet, parce que il y a quand même dans 98% mais non, des mais... cas tu, quand tu fais une création sur internet t'as pas de thune en fait. Non mais Bigaston, on est d'accord qu'ils y connaissent rien du tout, ils savent pas que avant qu'ils arrivent il y avait des gens déjà qui podcastaient, que après qu'ils soient repartis il y a toujours les mêmes gens qui vont podcaster, mais ça ils en ont rien à foutre de toute façon, ils savent qu'ils ont pas gagné d'argent de toute façon là-dessus, donc qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Oui, non, mais ça, je pense qu'il y a eu la même chose sur YouTube et sur plein d'autres médiums. Mais le podcast a de ça qu'il a, il a, le podcast a une problématique. Là où YouTube, effectivement, ça a quand même décollé largement avant l'arrivée. Oui, mais il y a plein de gens qui se sont lancés dedans à fond en se disant qu'ils allaient devenir riches et célèbres et c'est, oui, ça a pas marché sûr, non plus. Oui, bien sûr, mais parce qu'ils pensaient qu'en France, il y avait un truc. Bah, Dailymotion, c'est moi j'ai eu le pif, je me suis mis sur Dailymotion. Ah bah oui, bah après on peut plus rien faire pour toi. Hein. Mais c'est le turfu, Dailymotion, vous savez, vous ne comprenez pas. C'est comme Compa après... d'avant, faut être dessus. Dailymotion, c'est le futur de l'an 2000. C'est comme le lit, faut être dessus. Ouais, c'est comme ta mère, faut être... Pardon. Voilà. Et on dit bonjour, bien sûr, parce que sinon... Bonjour aux mamans. Bonjour les mamans. Bonjour à toutes les mamans. Voilà, exactement, c'est très très important. Mais moi, après, fondamentalement, moi je suis à peu près d'accord avec toi, c'est des trucs complètement différent, tu vas parler de YouTube ou tu vas parler de podcast, pour moi il y a une différence incroyable et surtout dans la manière de l'appréhender maintenant, parce que c'est en vrai, même un débilos que moi a réussi à faire des vidéos sur YouTube sans aucun succès comme les 98%, hashtag je suis les 98%, mais pour le coup t'as toute une infrastructure qui est différente, t'as du coup un espèce de travail de fond que tu vas faire un peu le travail du backstage finalement, qui est un travail qui est beaucoup plus important à faire, et pour le coup, à mon avis, les mecs se découragent. Déjà, quand tu sais pas à quel type de public tu vas t'intéresser, et que tu sais pas comment fonctionne la manière que tu as de t'adresser aux gens, forcément, tu t'es largué et tu fous le camp à un moment.
Mais si vous ne voulez pas faire ce travail de back-end, connaissez-vous PodCloud Horizon? La publicité. Merci, Miguel. Ah, putain, j'espérais que tu rebondisses dessus. Je t'enverrai ton chèque. Yes, de 8,70€, c'est bien ça que tu m'avais alors demandé. Il t'enverra un mec avec un espèce de truc sur la tête, voilà, un chèque, un vrai chèque. Oh, joli. Mais, voilà. Mais non, mais je comprends de toute façon tout ce que Poyo dit sur la difficulté aussi, forcément, d'un médium qui est moins populaire que sur YouTube aussi, tu peux moins t'inspirer des autres, etc. C'était déjà moins connu. Ça fait pour moi seulement 2 ou 3 ans que vraiment le grand public est à fond sur les podcasts. Le grand public, parce que pour moi ça date de quand Spotify et Deezer ont rajouté podcasts. C'est même pas le grand public, c'est les communicants qui ont décidé que le podcast était le new. La podologue qui a découvert que j'avais une infection au pied. Mais j'ai passé une semaine compliquée. Quoi, P2P, c'est ça? Elle me demandait ce que je faisais dans la vie et je lui disais je m'occupe d'une plateforme de podcast et elle m'a dit il y a de quoi faire en ce moment et tout. Alors que il y a 5 ans, il y a même 3 ans. Il y a même 3 ans. Mais pourquoi t'as fait de log, t'as posé cette question? Mais voilà, c'était un podcast, c'est quoi? Je pense que ça a permis. Je pense que tout ce qui s'est passé là pendant 3 ans, ça a permis de faire découvrir le podcast et même ceux qui étaient là auparavant. Et la plupart d'entre nous, on est là depuis peut-être plus d'une dizaine d'années pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres. Mais en réalité, ça a permis de faire. Mais juste, il y a un problème, c'est que on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est déjà populaire depuis des années. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, c'était déjà des trucs, il y avait déjà des podcasts et tout ça. Sauf qu'en France, c'est un truc qui a jamais pris. Et même encore aujourd'hui, c'est un truc qui a encore moins pris parce que tu rajoutes la logique de l'argent là-dedans. Aux États-Unis, ils sont même allés plus loin. Ils en sont à un point où ils se moquent des gens qui font des podcasts. Ah oui, bah. Mais on a fait ça pendant 40 minutes d'intro, là. Arrêtez. Quand tu fais un podcast aux États-Unis et que tu veux le monétiser, donc faire de l'argent avec, t'as un public qui est, je sais pas combien de fois plus grand que le public. Évidemment, français, ils sont 280 quelques millions, forcément. Donc, évidemment, ça marche mieux là-bas. Mais ça marche mieux parce qu'on a une logique d'argent qui n'est pas la même. Je nuance un tout petit peu quand même, parce que quand tu regardes les chiffres réels du podcast aux États-Unis, des podcasts qui marchent. Monsieur, aux chiffres sont faux. Il y en a pas tant que ça. Donc en fait, si tu veux, il y a beaucoup de podcasteurs. Mais voilà, en fait, en proportion, c'est pareil. Les podcasts qui fonctionnent, ils sont pas sur ça. T'as des gars, ils sont là, ils ont dit, nous, on a fait 100 vues cette semaine. C'est absolument dingue. Alors que pour de vrai, des podcasts français qui font plus de 100 vues, il y en a quand même pas mal. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions non plus. Ah, on peut regarder des podcasts maintenant du coup. Après, ouais, parce que maintenant ils sont sur YouTube aussi. après, faut aussi remettre en contexte le truc. Moi, je me rappelle, c'était à l'époque où YouTube a explosé. C'était, l'argument, c'était il a fait 10 000 vues, machin, et là maintenant c'est une broutille pour le reste de l'univers. Mais putain, tu te rends compte, 10 000 personnes dans ton salon. YouTube a tellement dont la moitié sont des bots, mais bon. Mais c'est ça, mais YouTube en fait a tellement normalisé. Même pour les abyssales qu'il n'y a pas d'avis. Ah non. Moi, il y a très longtemps, c'est Abu Dhabi, j'ai fait des petits sketchs sur YouTube et je me souviens que j'avais fait 200 vues et c'était un truc incroyable quoi. Je faisais partie des gros, c'était sur Dailymotion. Je faisais partie avec 80% de la petite cour quoi. C'était là genre waouh, et quand même il y a des gens qu'on regardait que je les connais pas. Non mais vous voulez un des gros problèmes qu'on a aussi à la base avec le podcast. J'ai posé une question cet après-midi avec le compte de PodCloud. C'est qu'on n'est pas très intéressant, c'est ça? Non, c'est qu'on croit tous qu'on est intéressant. On a une culture aussi au sein de la communauté où l'argent c'est mal. Parce que justement, j'ai fait un sondage, il court encore et il y a 39 votes, c'est pas énorme. Je suis pas d'accord, j'adore l'argent. Je l'ai pas vu passer, je vais le retweeter tout de suite. C'est un service de VPN vous propose de filer des sous pour une pub dans votre podcast, vous réagissez comment? Ben, il y en a 18% qui sont en mode, ouais, ça payera les bières. Il y en a 26% qui sont pas à moins d'un certain montant. Il y en a quand même 28% qui sont en mode jamais. Et après, il y a 28% qui ont répondu la réponse D, mais j'aurais pas dû mettre cette réponse. Mais en gros, il y a plus d'un tiers des réponses qui sont pas la réponse D. Ta question est biaisée parce que t'as pris la pub VPN, qui est un sujet. Oui, un c'est le premier sponsor bien connu qu'on a. Écoute-moi, c'est un sponsor qui est pas très propre. Ils font leur pub en disant voilà comment pirater. Donc forcément, les gens, ils ont aussi ça en tête en disant non, je vais pas faire. Si je fais de la pub, ça sera pas avec ça. Bah c'est un peu mon avis. Genre d'un côté, genre honnêtement, si une marque genre
je parle de jeux vidéo, s'il y a Red Shadow Legend qui me propose une OP, moi je vais dire bah oui, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, je suis dev. Mauvais exemple aussi. Ouais, non, mais genre, je trouve, oui, non, bref, mais d'un autre côté, t'as NordVPN qui me propose de faire une OP, je vais dire non, parce que voilà, je suis développeur, et je sais que autant, autant Red Shadow Legend, c'est un gacha et c'est un jeu de merde, mais, NordVPN, c'est un service qui sert à rien et qui vend un besoin qui n'existe pas. Parce que c'est pas vrai, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas que ça sert à rien, c'est juste le vendre avec des arguments qui sont fallacieux. Le service ne sert pas à rien, mais genre leurs arguments, c'est que tu peux regarder des gens dans un podcast. Tu peux regarder Netflix depuis l'étranger, sauf qu'ils se font ban leur serveur. T'as besoin absolument, sinon tu vas te faire pirater. Ok, tu peux te faire pirater ta connexion et voir qui les gens peuvent voir sur ton ordinateur si t'es en HTTP sur le wifi du McDo. Mais parce que ils utilisent des choses que le grand public comprend le mieux. Dès que tu vois VPN dans un service, tout de suite, ça va être mieux parce que je vais pouvoir naviguer de manière sécurisée. Mais c'est ça met une ambiance délétère. Moi aussi, je peux mettre des mots, connard. Ouais. Connard VPN, voilà. Non, mais, en vrai, est-ce que tu veux mon service, connard VPN? Service délétère et fallacieux. faudrait aussi se poser la question de la manière dont t'as formulé justement ta question, parce que si tu l'avais formulé avec du Coca-Cola que, dans la glace. Attends, c'est un crochet avec un stop. Alors, un smartphone étoile, qu'il se barre, s'il vous plaît, il y a de l'écho. Oui, juste c'était pour dire que je pouvais pas passer en fait. Très bien. Parce que je suis dans un train. Ok, eh bien bonjour. Bonjour. Bonjour et tu peux te barrer. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais pas, donc je... Voilà, tu passes dans un autre salon. Voilà, tu mutes. c'est quand même incroyable parce que vous avez passé l'intro à me couper. Là, j'ai parlé, il y a un mec qui était même pas là. C'est quand même, on est mal reçu. Attends, on l'a même pas invité, hein. En plus, ça se trouve, c'est un mec qui est dans la Nièvre. Oui, non, il a du réseau. Bonjour. Alors, ça m'étonnerait qu'il soit dans la Nièvre parce que je vous rappelle qu'il téléphone. Ah oui, il téléphone dans un train. Donc, du coup, forcément, il est pas dans la Nièvre. Comment dans la Nièvre? Ça se trouve, il arrive dans la Nièvre. Avant qu'il perde le réseau définitivement. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il allait nous dire quand même. Non, mais pour recentrer ce que je disais, c'est ta question. On peut le ban. C'est horrible. Désolé Damien, je t'ai muté parce que c'est pas possible. Envoie-nous un message par écrit pour nous donner tes revendications et puis. Exactement. Est-ce que si t'avais posé la question au lieu de donner un service VPN en exemple, ça aurait été un partenariat qui vous intéresse? Je pense que c'est pareil. La réponse aurait été pareille. Une pub. Je pense que la réponse. Pour moi, je suis pas sûr que la réponse aurait été la même. Moi, oui. De toute façon, l'intérêt n'est pas de vendre un truc. Moi, j'ai autre chose à foutre que de faire de la pub. J'en vois partout de la pub et ça me gave. Mais est-ce que si t'avais posé la question en étant, je vais dire, plus neutre à défaut d'un meilleur terme, est-ce que t'aurais eu la même distribution de réponses? C'est ça la vraie question. Un élément de réponse, c'est pas un sondage qui a été fait sur le compte, mais tu as posé une question similaire en fait quelques heures avant sur c'était pas le centre de la question, c'était qu'est-ce que vous améliorez autour c'était de votre podcast quelques jours avant et je sais pas, pour moi les jours sont des heures et les heures sont des minutes et du coup les gens, il y a quand même pas mal de gens qui ont répondu la moulaga. Il y a eu quand même peut-être, je sais pas, entre 5 et 10 réponses. Enfin, il y a la moitié des réponses où c'était la moulaga. Franchement, c'est la moitié des réponses. Ouais, peut-être. Et la moitié des réponses, c'était des gens qui disaient, si on avait du pognon, quoi. Ouais, mais parce donc je pense que c'est, il y a quand même un truc où ça intéresse les gens. Après, faut tout relativiser, sans le critiquer ou quoi que ce soit. Enfin, moi, j'ai rien contre que les gens gagnent des tips sur leur podcast, quoi. Après, il y a une différence entre la thune. Attends, il y a une différence entre la thune et la sponsor. Ouais. Oui. C'est deux choses différentes. La thune, ça, tu peux l'avoir par du Patreon, tu peux l'avoir par du Tipeee, on en parlera tout à l'heure de Tipeee, tu peux l'avoir par plein de trucs. La sponsor étant une des façons de se financer. Ouais. Après, tu peux faire les Patreons, par exemple. Je sais personnellement que, autant j'aime pas les placements de produits, enfin, les placements de produits ont tendance à me saouler, mais autant je comprends que ce soit important pour, par exemple, sur YouTube, parce que c'est ce qui permet, en gros, de lancer le contenu. Et que vu que YouTube fait full merde avec les pubs, et que oui, tu fais les placements de produits. Et je sais que personnellement, si on me proposait pour un service qui est cool, où je peux être en toute transparence, et où je serais en toute transparence,
bah je sais que personnellement j'accepterais. Parce que tu peux pas être en transparence avec ce on te verrait pas. C'est pas possible. C'est très compliqué en fait. Déjà, à partir du moment où t'as de la sponsor, où tu as même un Patreon ou un Tipeee ou quoi que ce soit d'autre, tu peux pas être en transparence parce que tu es dépendant de ton public. Alors, voilà. je vais donner un élément de réponse. Non, je vais pas donner la marque. Je vais pas donner la marque, parce que j'ai pas encore signé le contrat. Ah, bah mais, on t'écoute, alors tu vas devoir inventer un nom de marque. Je vais inventer un nom de marque, et ben ce sera juste pour jouer. Juste pour jouer, d'accord. Voilà, on va faire un podcast avec un autre podcasteur qui vient de l'univers vidéoludique. On va être rémunéré pour le podcast en question. Dès le début du podcast, de manière totalement transparente, on expliquera que le podcast, c'est le podcast d'une société. Donc, on est prestataire et on réalise un podcast pour la société en question. Le deal de départ, c'est nous, on ne présentera que des jeux qu'on aime. On dira pas du bien de jeux qu'on n'aime pas. Après, la manière dont on va présenter le truc, c'est à nous de prouver que notre parole a une importance et que juste on fait pas ça que pour la thune. Mais il est clair que si jamais on s'est dirigé vers eux, c'est aussi parce qu'ils allaient nous financer. Ça, c'est sûr et certain. Bah voilà. Donc, on se retrouve dans une situation. Mais c'est quand même orienté. Est-ce que c'est du sponsoring ou, enfin, c'est un sponsoring? C'est un partenariat, ça, c'est plus. Ou est-ce que c'est un podcast de marque si c'est brandé avec machin? Bah c'est un podcast de marque de toute façon, mais c'est un truc sur lequel nous on a posé nos conditions dès le départ, c'est-à-dire que si jamais Te donne l'impression, il est là le problème en fait, ça te donne l'impression que t'as posé tes conditions, mais les conditions finalement, si t'as envie de dire de la merde de jeux qui même eux pour eux c'est ok et tout ça, bah tu pourras pas le dire. T'as posé des conditions dès le départ. Dans tes conditions, c'est vrai que moi il y a un truc qui me chiffonouille un peu, c'est-à-dire que tu diras pas de bien de jeux que tu trouves nuls. Mais d'un autre côté, est-ce que tu vas pas t'interdire de dire que des jeux sont nuls? Tu vois ce que je veux dire? Alors, le truc est très clair. Si jamais tout d'un coup le prestataire en question arrive, nous dit voilà, moi je voudrais que tu me présentes, je sais pas, le jeu pour les petites filles où il faut colorier les trucs, qui est justement uniquement un jeu genré, que moi c'est typiquement le genre de jeu que je déteste, parce que je déteste les jeux genrés. Je vais arriver, je vais dire les jeux de quoi? Les jeux genrés, grosso modo, la catégorie de jeux pour filles. Tu vois ce que c'est? Enfin, les trucs où les développeurs se sont dit en fait les filles ils réfléchissent. Elles veulent des poneys et des filles. Voilà, des par filles, exemple, des... à colorier. On voit, ouais, du coup. Voilà. Donc, ça, si on arrive avec ce type de jeu-là et qu'on me dit, voilà, nous, on veut vraiment vendre ça, faut le mettre en avant. Clairement, je vais dire, écoutez, moi, si vous me faites en parler, je vais pas en dire du bien. Donc, c'est pas intéressant pour vous de me faire le présenter. Donc, eux vont vendre leur truc de leur côté. Moi, j'en parlerai pas pendant mon émission. Mais clairement, en tant que personne, de toute façon, dans la vie de tous les jours, je ne parle pas ou très rarement de ce que j'aime pas. Donc, je vais pas m'empêcher de dire que j'aime pas un truc. Naturellement, je le dirai pas. Je vais aller pas descendre un truc. Ouais, déjà, en temps normal, je vais pas me mettre à le faire parce que je suis payé pour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais fondamentalement, ta démarche est déjà pas la même de base. Moi, si tu me poses la question, comment est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que t'aimerais faire autour de ton podcast ou de tes podcasts, peu importe, on s'en fout. La démarche de base, ma démarche de base, c'était pas de faire de l'argent avec. Moi, si les gens veulent me donner de la thune pour que je raconte des conneries à moi dans un micro, une fois par mois dans un micro, je veux bien. Mais ta démarche est pas la même. Si je me fais approcher par une marque quelconque, jouer, je sais pas quoi, à l'accusé tout à l'heure, peu importe, qui vient de me proposer de faire du contenu, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas. Je vais rejoindre le sens de ce que tu dis Poyo, c'est-à-dire que tu fais aujourd'hui toute critique doit être monétisable, doit servir d'appât par rapport à l'argent, etc. Alors que bah au final on est déjà tous entre nous à podcast et art sont ceux effectivement à en vivre. Je pense qu'ici en fait personne n'est là pour en vivre ni quoi que ce soit. Bah, donc, aujourd'hui c'est mon métier perso. Alors oui, toi, non. Effectivement, c'est ton métier, mais il faut aussi accepter le fait que du coup, tu quelque part, d'une certaine manière, tu acceptes aussi les conditions de ceux qui te rémunèrent, quoi. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est pas que je le veuille ou que je le veuille pas. Je suis prestataire, comme n'importe quel prestataire. On passe un contrat et je réalise. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est ton métier, donc il y a un contrat qui est fait, c'est une entreprise, etc., etc. Mais tu es forcément biaisé par rapport au fait que si t'as envie de parler de quelque chose qui te touche plus à cœur et que demain ils ont pas envie d'en parler, et ben ils peuvent te dégager parce que t'as un contrat aussi avec eux. Et là tu seras bien d'accord. Fait alors biaisé. En fait, c'est parce que je pense que tu me connais pas encore très très bien. Pourquoi aujourd'hui alors... Écoute, c'est pas possible. Je vais t'expliquer pourquoi t'es qu'une merde. Non, mais pourquoi
Il y a des gens qui naturellement se tourneront pas vers moi ou pour me demander des trucs. C'est parce qu'en fait, je ne sais pas ne pas dire ce que je pense. Donc, s'il y a un moment donné, en fait, je rentre en conflit avec quelqu'un, quelle que soit la raison, moment donné, en fait, forcément, ça va déborder. Mais... Donc, évidemment, je risque de perdre le contrat. Mais si tu veux, j'ai avant de me lancer en tant que podcasteur, enfin d'essayer d'en vivre réellement, j'ai bossé pendant 20 ans pour la même boîte et ça a été vraiment, c'était une deuxième famille pour moi. Du jour où cette boîte a été rachetée, où j'ai commencé à me prendre la tête avec les dirigeants, j'ai envoyé paître la boîte en question et ça a été très difficile pour moi parce que ça a été enterré ma relation avec des clients qui étaient vraiment qui se passaient très très bien. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué pour moi, mais ma dignité, si tu veux, ma parole a plus d'importance que tout le reste. Si à un moment donné, en fait, un prestataire doit me dire tu feras ça comme ça parce qu'on te paye pour, c'est pas eux qui vont me dégager parce que je le ferai pas, c'est moi qui vais les dégager en disant trouvez quelqu'un d'autre. Mais les prémices sont les mêmes. C'est pas toi qui me licencie, c'est moi qui démissionne. Non, mais ça c'est tout à ton honneur et bravo à toi d'avoir cette force. Mais moi je pense qu'il y a quand même des choses plus insidieuses qui je pense c'est ce que disait, enfin c'est aussi ce dont parlait Poyo de dire quand t'as et les autres de dire quand t'as un employeur ou un client pour qui tu fais de la prestation, si c'est l'éditeur, un éditeur de jeux vidéo et que tu vas pas forcément aimer son jeu, s'il te demande pas d'en parler, tu vas pas forcément en parler non plus, ou tu vas avoir des scrupules à parler de ce jeu-là, ou peut-être que tu vas dire bon ben ce truc-là, ce sujet, je sais pas, il y a une actualité. Imagine genre tu fais un podcast pour Blizzard France, ouais. Et en ce moment ils ont tous leurs trucs avec leur procès, etc. Est-ce que tu vas pas te retenir d'en parler ou éluder le sujet parce que tu dis bon bah j'ai pas envie non plus que juste ils renouvellent pas le contrat parce que tu veux pas prendre ce risque là et ce serait plus insidieux dans le sens où c'est pas toi qui est, c'est pas eux qui vont te dire surtout n'en parle pas, c'est pas toi qui va dire je veux absolument en parler ou quoi que ce soit, c'est juste que tu vas avoir de la retenue et il y a déjà 10 ans au début de No Watch, la version podcast pas la version chaîne YouTube que Jérôme Koenberg a après il y a eu ce truc-là où ils étaient sponsorisés Numéricable, etc. Et il y a eu ce truc-là où tout le monde se disait ouais mais si Numéricable il se passe un truc pourri chez eux ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils vont se sentir libres d'en parler ? Exactement, c'est biaisé. Parce qu'ils faisaient de l'actualité. On va être très clair, on est tous soumis à la même chose. C'est-à-dire que vous avez un employeur. Si jamais tout d'un coup votre employeur en question se met à faire un truc absolument horrible, est-ce que vous allez quitter votre boîte parce que l'employeur en question fait un truc horrible? On est tous. Alors moi, mon ancien patron, il m'a dit qu'il fallait tuer Martine Aubry pour avoir un télé 35 heures et j'ai démissionné 3 jours après. On est pareil, toi et moi. On est pareil. Non mais attends, il y a bien fiché qui se barre. Il y a deux trucs différents. D'abord, il faut arrêter de dire que dès que tu essayes de faire de l'argent avec du podcast, t'es quelqu'un qui va forcément être biaisé. Ça c'est sûr. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que nous, si en tant qu'employé, en effet, t'es subi la même pression, mais on fait pas une émission publique en tant qu'employé. Donc c'est pas la même conséquence de communication. Donc tu peux pas comparer les deux. C'est sûr que si l'émission a une certaine audience, te faire taige, enfin ou taige la boîte pour des raisons de désaccord sur là, comme tu disais, s'il force à faire un jeu, c'est un coup à faire un bad buzz derrière. Et après, genre d'un autre côté, et je sais, du coup il y a c'est genre Exerve qui commence à faire un podcast pour avec PlayStation. Je sais que personnellement ça m'embête pas plus que ça parce que je sais en écoutant le truc, enfin j'ai pas écouté encore, mais voilà, mais en fait, écoutant le encore, truc, tu te encore dis... une fois tu parles de deux choses différentes. Parce que soit tu vas évoquer le principe de faire un podcast de marque, ou en tout cas sponsorisé, ou partenarialisé, t'appelles ça comme tu veux, peu importe, c'est un produit que tu vas fournir, tu vas simplement être prestataire, tu vas fournir ton produit pour la marque en question. Le problème est pas du tout le même si moi demain, dans mon émission qui a 3 ans et quelques, un développeur vient me parler pour me partenarialiser, machin. Je sais pas si ça existe, mais j'invente des mots, je m'en fous. Si, ça se dit. très bien. Bon, je note. C'est dans le Robert. Ça va pas du tout être le, ça va pas du tout être le même rapport. Je crée pas un produit, pour faire de la pub, enfin,
un produit pour faire de la pub dans le cas du partenariat dès le début, c'est différent. Enfin, t'es dans deux cas différents. Soit d'accord, tu vas créer un truc de base qui est un produit, et à ce moment-là, t'as des obligations et des devoirs. C'est ton contrat de départ. Pour un truc qui va se rajouter et qui partait pas, moi, ça me pose pas de problème si c'est dans le contrat de départ, mais il faut que ce soit en fait, il faut arrêter. Puis si de t'as pas envie d'écouter, tu l'écoutes pas, quoi. Il faut arrêter de diaboliser le fait qu'on essaye de faire de l'argent avec le podcast. Le truc, c'est comment on le fait. Moi, quand on me dit, je fais un podcast avec telle marque, je dis, bah, fais-le, c'est très bien. Non, mais en fait, c'est pas un problème. Là où ça peut devenir tendancieux, et c'est le problème dans tous les médias, mais ça n'a rien à voir avec le podcast ou quoi, c'est quand le sujet, enfin, le sponsoring, la marque, etc., est en rapport avec ta ligne éditoriale. Le problème exactement. De ça, c'est que oui, ça, les voilà. marques, les annonceurs, etc., ils vont forcément vouloir toucher un public qui leur correspond, et donc, du coup, qui correspond à ta ligne éditoriale. Donc, c'est un regardez, certain qui se mord la queue, et regardez, t'es un peu obligé d'avoir des, enfin, les gens qui sponsorisent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure forcément de, venir, si Phil avait fait son sondage avec Coca-Cola, on aurait peut-être des réponses différentes. Ouais, regardez, il y a un truc, il y a un a priori aussi assez énorme avec Coca-Cola, tu vois, c'est le. Oui, mais il y a un truc, il y a un truc qui est tout rien avec ce que. Si je peux répondre quand même au commentaire. J'ai été employé de Webedia pendant un an et demi pour une émission qui s'appelait Démage. On est parti fâché parce que on n'avait pas du tout la même vision du monde. Alors, je pense très honnêtement qu'ils auraient fini par me virer, mais je suis parti quand même parce que c'était Webedia et qu'à un moment donné, j'ai fait non, mais vous me demandez que ça coûte le moins possible. Alors que moi, au contraire, j'aurais besoin d'argent parce que je pense que toutes les personnes qui bossent pour l'émission devraient être rémunérées. Quand je dis quoi, vous voulez payer les gens, mais n'importe quoi, vous êtes fous. Bon, bah allez, au revoir. Et pourtant, ça m'a fait chier parce que c'était une rentrée d'argent, parce que c'était une porte d'entrée aussi pour toucher des personnes que j'aurais peut-être pas touché autrement et puis me permettre de créer de nouvelles choses. Mais j'ai fait un choix qui était si tu veux, mon intégrité était plus important que mon rapport à Webedia. Pour illustrer le propos de Pof de tout à l'heure, il y a un truc qui est très con, c'est qu'il y a quelques années de ça, l'émission Capital sur M6 s'est fait épingler en quelque sorte pour un peu une complaisance envers certains annonceurs. Il n'est pas très, c'est assez futé finalement de se dire que oui, les annonceurs qui sont sur la chaîne, que ça soit Orange ou d'autres d'ailleurs, sans trop de citer de marques, effectivement, soient quand même bien lotis au niveau de l'émission Capital pour pouvoir passer pouvoir passer des pubs au moment de l'annonceur. Et c'est ça pareil. Regardez cet été, on a eu l'exemple avec par exemple Europe 1 et CNews, le rapprochement entre les deux, entre la chaîne de télé et la chaîne de radio, où on a bien vu que la chaîne de propagande, pardon, je rectifie. Hein. Et la chaîne de télé, non, on fera pas de politique ici, mais c'est simplement pour illustrer. Ah non, mon c'était propos. Factuel. C'est pas factuel. De la politique, c'est la vérité. Non, mais tout à fait. Mais je suis d'accord avec vous. Ça, y a pas de problème. Et moi, je veux rester quand même dans le factuel sans aller dans le troll gratuit. Mais en tous les cas, on a bien vu qu'effectivement, on a fait payer personne. Les gens se sont fait. Les gens se sont fait. Moi, on m'a offert un tacos. qui n'est toujours pas. Moi, ce que je veux dire, c'est quand même, c'est très rigolo parce que Phil est arrivé. On n'a pas eu l'arrivée du tacos. Mais les gens étaient en train de partir pisser. Ah, ça doit être pour ça. Les gens, merci de raconter les backstage du podcast. Les baskets du podcast. Les baskets, oui. Bon, c'est très confus ce que tu dis. Tu devrais arrêter de t'interrompre. Bon, putain, sérieux, vous êtes chiants, sérieux. Ça fait depuis tout à l'heure que j'essaye. Mais où là, on s'aperçoit qu'effectivement, le rapprochement entre deux médias a fait énormément de mal puisque des gens se sont fait virer. Ils ont mis des gens de CNews et en plus, tu peux plus faire de blagues sur Zemmour. Voilà. Donc, à partir du moment où tu as une entité supérieure, où t'as un mec ou une nana qui décide que ça sera comme ça aujourd'hui de toute façon, quoi que tu fasses et quoi que tu dises, et j'entends tout à fait bien tes arguments, TMDJC, oh putain, il faut c'est vraiment moi. Que je t'appelle par... Meudutch. Quels que soient tes arguments, et ils sont extrêmement recevables, de toute façon, tu seras toujours sous le chapeau, l'entité de quelqu'un qui effectivement aura décidé du bon vouloir de parler d'un truc comme ça. Si demain je suis d'accord avec ce que tu dis, et je vais même aller plus loin, on l'est tous dans le sens où de toute façon, on subit tous la culture française, qui elle-même subit la culture mondiale, etc. Et on peut monter très très loin là-dedans. On n'est jamais totalement libre. Si tu essayes de faire de l'argent, forcément tu seras moins libre, mais c'est la loi du truc. C'est évident. Quelle que soit la manière dont tu fais de l'argent. C'est ça, si je signe un contrat avec une boîte et que je m'engage dans ce contrat-là à ne pas dire certaines choses, je peux vous garantir que je ne le dirai pas parce que ma parole est importante. Quand Capcom me passe des informations pour que je sache ce qui va se passer dans le prochain Street et qu'elle me dit tu le gardes pour toi, t'en parles pas, j'en parle pas. Non pas parce que je peux pas le répéter. Je me suis engagé, mais en plus là pour le coup j'ai rien signé. J'ai donné ma parole est importante. Je me suis
engagé à ne pas le faire, je ne le fais pas. Mais par contre, au même titre que je donne ma parole et que je respecte ma parole, je donne aussi mes conditions. Et quand je dis je ne ferai pas ça ou vous ne me ferez pas dire ça ou etc., ça marche dans les deux sens. Et si à un moment donné, la personne qui me paye ne respecte pas le contrat en question, eh ben je dégage le contrat en question. Je me sens vraiment libre de pouvoir faire ce que je veux. Mais par contre, il est clair que si jamais il y a un jeu qui arrive qui vraiment me plaît pas, naturellement, je vais conseiller qu'on n'en parle pas. C'est certain, parce que je saurais pas bien le vendre, parce que je vais dire de la merde. Mais tu sais quoi, TMDJC, j'aime pas les podcasts avec des placements, tout ça, même de la pub. Mais à t'écouter, tu me donnes envie de t'écouter. Alors, le podcast en question n'est pas encore sorti, mais je te le partagerai avec plaisir si jamais il sort. Parce qu'il a un problème en fait avec son contrat, ils sont en désaccord avec le client. Parce qu'il a dit que le jeu était nul à chier, ils veulent pas qu'il se dise. Mais sinon, tous mes autres podcasts sont totalement non sponsorisés. C'est quelque chose de très important pour moi, justement, l'idée de pouvoir ramener de l'argent via un prestataire et faire un podcast pour eux, c'est garder ma liberté pour pouvoir faire mes autres podcasts comme j'en ai envie. Après, oui, ça s'entend très bien. Aussi, oui. Et ça, est-ce que dans un de tes autres podcasts, tu vas parler en mal d'un des jeux de ton podcast, de ton éditeur qui te... Non, absolument pas, mais parce que je le fais déjà pas en temps normal. Enfin, les rares fois où j'ai vraiment dit du mal de structure, c'était chez Bagro Point, où j'ai descendu une structure qui faisait du jeu vidéo, pas bah, parce que le jeu était pourri, mais parce que je n'aimais pas la manière dont les employés étaient traités sur place. Et moi, vraiment, ça me choquait. Et si un jour j'apprends, ce serait très étonnant parce que j'ai des copains qui bossent là-bas, donc je sais que l'équipe est bonne, mais si jamais, mettons qu'il y avait un changement de direction et que tout d'un coup les gens étaient harcelés, non seulement je quitterais la boîte, mais je n'hésiterais pas à dire ce que je pense. Après aussi, une question que je me pose un peu avec ma découverte du monde de l'entreprise et tout le bordel, mais en gros, c'est aussi, est-ce que c'est pas une histoire que c'est la culture française aussi. Genre, c'est très con de dire comme ça, mais je me demande, est-ce que dans les autres pays, parce que je sais qu'en France, sur plein de choses, on parle pas de thunes. Genre, on parle pas de combien un gars gagne et tout ça, alors que ça exploserait une bonne partie des problèmes de différences salariales. Et on parle jamais d'argent, c'est toujours un problème de demander de l'argent, de parler d'argent, etc. Est-ce que dans d'autres pays, alors c'est vraiment une question, je sais pas, hein, c'est pas une question rhétorique, mais est-ce que dans d'autres pays, c'est pas du genre, il fait un placement de produit, ok, cool. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus comme ça. C'est décomplexé aux États-Unis. Ouais, peut-être que c'est plus décomplexé, effectivement. Mais après, c'est clair que moi je pourrais pas faire un placement de produit pour un truc que j'aime pas. Alors ça, là, par contre, c'est mort. Et c'est pour ça. Désolé, je pense que... Oui. Je prends un petit peu la discussion en train. Littéralement. Littéralement. Je pense que c'est pour ça que le podcast, excuse-moi, comme étoile si je te coupe, mais je pense que c'est pour ça que le podcast a mis autant de temps à venir. Enfin, monétiser là où vous êtes unis, c'est déjà quasiment monnaie courante depuis plus d'une dizaine d'années, et c'est pour ça que ça a été aussi mal accepté en France. C'est pas spécifique au podcast, c'est spécifique à tout type de contenu produit sur Internet. Absolument pas. Les gens ont du mal de toute façon en France à payer pour un contenu qu'ils peuvent avoir gratuitement ailleurs. De toute façon, c'est pour ça que un créateur de contenu qui va publier une VOD avant sur son site Internet fera certainement moins de chiffres que sur YouTube. D'échelle. Je sais que je parle beaucoup d'échelle, mais bon, c'est parce que j'ai un nouveau business là qui se lance. Ce que je veux dire par rapport à de dire que c'est un problème d'échelle, c'est que pas une question d'escabeau plutôt. Peut-être qu'en France, ça va gêner 90% des gens qui écoutent un podcast, qu'il y ait du sponsoring, ou 90% des gens vont pas vouloir payer pour un truc, etc. Mais si c'est le cas aux États-Unis avec le public qui est beaucoup plus large en proportion, ça permet déjà, si 10% des gens donnent aux États-Unis, permet déjà de vivre du podcast, alors qu'en France, pas du tout. Donc c'est peut-être juste une histoire de proportion et pas du tout une histoire de c'est plus accepté ou moins accepté. Enfin, peut-être qu'en pourcentage, je suis pas d'accord. Il y a la culture qui est aussi. Bien sûr, il y a la culture. Qui était prêt à payer pour le galet de jeu
je sais pas quoi là qui a lancé son podcast, son application de podcast il y a 2 ou 3 ans de ça. Personne n'était prêt à payer pour ça. Personne n'était prêt à payer pour ça. Mais moi, par exemple, j'ai payé Podcast Addict. Oui, mais c'est autre chose. Parce que cette application est géniale. C'est une application de podcast. Non, moi, bien sûr, j'ai payé pour Pocket Cast sur iOS, voilà, ça n'a rien à voir. Et puis, je connais pas le développeur, pour autant, ça n'a rien à voir. Par contre, effectivement, je veux raconter une anecdote. C'est pas du contenu, Mais voilà, c'est ça. Je veux vous raconter une anecdote très rapidement. Comment ça s'appelle? Oui, encore. L'autre jour, en fait, je suis allé à la boulangerie. Et j'ai acheté une échelle. Oui, j'ai acheté une échelle parce que ça m'intéressait. Parce que c'était un problème d'échelle. Ah, tu vois, t'avais raison. Mais moi, je répondrais bien à ton problème d'échelle, mais j'ai pas l'esprit d'escalier. Est-ce qu'elle est difficile à répondre cette question? Pas fou ça. Ouais, bien joué. Oh si, t'es bien placé. Si, elle t'es bien placé. Bon, du coup, ton anecdote, parce que ça met 3 heures là. Mais ouais, mais à chaque fois, putain, on me coupe aussi, ça m'énerve. Merde, pose-toi, merde. Il y a quelques années de ça. Bon, vos gueules. Taisez-vous. Toi, tu mets la mauvaise ambiance quand même. J'ai une petite carte postale. Spotify, Deezer, Netflix, ça marche, les gens, ils sont prêts à payer pour du contenu. Mais c'est pas la question, c'est pas vraiment la question de payer pour le contenu. Bon, du coup, l'anecdote de Redscape, non, à la base. Mais je vais rien raconter. Ça y est. Non, mais il y a quelques années de ça, je crois qu'on était aux 3 ans de mon podcast, un label français m'a proposé de faire un partenariat exclusif. Où on passerait tous leurs sons et effectivement on dirait du bien. Donc dans le sens oui, parce que j'allais gagner de l'argent avec et tout ça machin. Donc c'était bien, sauf que bon bah quelques années avant j'avais dit qu'on gagnerait jamais d'argent dessus. C'est à l'époque où mon co-animateur et le cofondateur de l'émission avait quitté le navire. Donc j'étais avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Donc sur le coup, effectivement sur le papier ça paraissait bien. Donc on était prêt presque à entre guillemets signer finalement, en tout cas moi, signé avec ce label-là. Mais finalement, en y réfléchissant bien, qu'est-ce qu'on allait faire dans cette émission? L'émission que moi-même j'ai créée, bah, on allait faire du podcast sur de l'ambiance et encore de l'ambiance, et aller dire du bien de son et tout c'est ça. C'est quoi l'ambiance? Si parce que pour toi c'est évident, mais pourquoi l'ambiance c'est nul rapidement? Bah, c'est pas que c'est nul, c'est pas le problème. Mais si tu en diffuses pendant 3, 4, 5, 6, 7 émissions, mais c'est quoi ça va. C'est quoi? C'est un style de musique, voilà. Ah, c'est un d'accord. Style de musique, c'est très bien. Ok. Mais il n'y a pas de souci, hein. Et effectivement, avec ce label-là, j'étais prêt, effectivement. Sans mais doute, c'est de la musique d'ascenseur, quoi, c'est ça? En quelque sorte. C'est un peu la musique aussi que je mets derrière ta voix, juste pour. Ah, la fameuse musique d'ascenseur que tu mets derrière ta voix. Exactement, ouais, ouais. C'est la musique pour cacher sa voix gueulasse. Exactement. Et j'ai refusé, je me souviens très bien, parce que je l'avais raconté, j'avais raconté cette anecdote-là dans un pot de Rennes, je sais plus lequel, je crois que c'était 2017 ou 2018, où moi j'ai carrément. Si on ne confondait pas pot de Rennes et pot de Rennes, hein. Non, oui, voilà, effectivement, qui sont deux choses totalement différente. Il y en a un qui tient plus chaud. Non mais c'est totalement sérieux parce que effectivement à l'époque le podcast n'était pas aussi installé. Moi on me proposait ça effectivement. Le contrat était alléchant. Il y avait vraiment une belle somme à mais la mais clé. T'habitais pas du tout là-bas toi. À la campagne. Bah non mais. T'en as pas marre qu'on te coupe sinon? Ouais, si j'en ai vraiment marre. Et au final le contrat je le refusais parce que même si c'était très intéressant en soi pour diverses raisons, je n'avais plus la liberté de faire ce que je voulais, d'aller critiquer parce qu'il y a des sons qui sont chez eux que j'aime pas spécifiquement, que j'ai pas envie de passer dans mon émission, et c'est mon droit. Effectivement, quand on est en plus dans un truc de niche comme le mien qui est littéralement le chien, voilà, on y revient un peu toujours. Ben et au final tu veux toucher le plus large public, et au final tu veux toucher la plus grande niche, et on te force une niche de niche, quoi. Bah encore, ouais. Voilà, exactement, encore plus, quoi. Et au final, moi, je préfère aller toucher plus de gens en publiant. Mais c'est dégueulasse. De musique. Oui, c'est vraiment ça. C'est super. Mais c'est de l'insertion de niche. C'est les abyssales, d'ailleurs. Exactement. Bah voilà. Non mais Redscape, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je ne sponsoriserai pas les émissions, enfin des émissions personnelles. C'est un truc Tu conçois quelque part que ce que tu veux payer, monétiser, soit forcément du contenu qui soit pas forcément toi, en tout cas qui n'est pas ton âme à toi.
Alors, c'est pas que j'y mets pas mon âme, parce que je travaillerai dessus de la même manière que je peux bosser sur des choses personnelles, mais c'est un projet commun. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on s'assoit autour d'une table, on dit, OK, moi, en tant que prestataire, je vais parler de votre jeu, qu'est-ce que vous avez envie de présenter? Comment vous voulez qu'on le présente? On en parle. Il y a des allers-retours. Ah, voilà. On a fait plusieurs pilotes. Voilà. Il y a, c'est un travail commun. Tu bosses pour quelqu'un d'autre à ce moment-là. Tu fais un podcast de marque, en fait. Mais c'est exactement ça. Du coup, si t'es prêt de décider de quelque chose, tu vois, alors qu'en final, t'es pas décideur du truc final. Du coup, si t'es prestataire, t'es prêt à te taire. C'est très joli. Et pour répondre à ta question, si jamais à un moment donné je sens que je suis obligé de me taire, c'est là où ça s'arrêtera naturellement, parce que ça pourra pas être autrement. Mais j'ai la chance de trouver un prestataire en fait qui m'a déniché parce qu'il aimait ce que je faisais. Et donc je lui ai dit, on est d'accord que si vous aimez ce que je fais, je vais garder le même ton, qu'il n'y ait pas de quiproquo entre nous. Et eux, ils ont dit, OK, pas de problème. Le jour où je me rends compte que finalement c'était pas exactement ça, mais qu'ils voulaient en fait un petit peu autre chose, et que y a certains angles qui soient je sais pas, un petit peu polis, là on va rentrer en conflit forcément. Mais chacun de mes podcasts déjà à une ligne éditoriale différente. Dans Informel, je me permets de dire des choses que je ne dirais nulle part ailleurs. Quand je parle de Rhythm Fighter, c'est uniquement dédié la musique de jeux vidéo, et là je me permets un petit peu de saga MP3 ou genre de choses que je vais pas forcément faire ailleurs. Et j'ai à chaque fois une manière de présenter mes podcasts j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Donc quand je me mets autour d'une table avec un client pour dire de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que moi je peux vous offrir, et évidemment que c'est un travail commun, et que tout seul j'aurais forcément une vision qui serait sensiblement différente parce que j'aurais pas eu leur avis. Donc forcément je vais m'appuyer sur ce qu'ils me donnent, et puis comme je suis payé pour, je trouve, finalement, de faire mais ça. Est-ce que c'est pas exactement la même réalité pour n'importe quel prestataire qui fait de la radio, de la télé ou quoi que ce soit, qui va juste se mettre d'accord avec les conditions, c'est la même chose, et le jour où ça va plus ni à l'un ou à l'autre, et ben il va changer de chaîne, de médium, de c'est truc ça. C'est ça. Et en fait il y a aucune différence avec le reste. C'est ce que je pense. Oui, pour moi il y a pas de différence. Mais là on parle de marque, ça. Ça fait 20 ans que je fais du podcast, mais c'est la première année où je suis réellement rémunéré pour. D'accord, c'est la première fois que tu... Mais c'est ton activité principale ? Et avant, tu vendais des olives sur le marché, c'est ça ? Presque. Non, mais je faisais un métier qui était multicasquette avant, et je vais pas l'expliquer là parce que ça va être super long. Tu vendais des casquettes sur le marché. C'est pas le but, mais au moins, t'es heureux dans ce que tu fais. En France, on va pas te demander combien tu gagnes, mais on va te demander si t'es heureux dans ce que tu fais. Et ça fait 20 ans, on peut que penser que ce que tu fais, tu kiffes de le faire. Ah oui, le podcast, c'est vraiment un monde que j'adore. Ça... C'est le principal, voilà. Mais après, je pense que aussi. J'ai l'impression de t'entendre te justifier. Non, mais tu ne veux rien dire, Gaston, ça fait 20 ans que t'es sur Terre. 21, s'il te plaît, 21. Mais oui, aussi, après, je pense que j'ai ce point de vue parce que je suis aussi plus jeune que vous, du genre. J'ai moins d'expérience, j'ai moins de d'ancienneté ou d'expérience. On parlait de culture tout à l'heure, et c'est sûr que même si on baigne dans la même culture, tu n'as pas la même culture que nous parce que tu n'as pas grandi à la même époque, et tu n'as pas les mêmes codes aussi, t'as grandi dans d'autres codes aussi, donc peut-être que ça, tu peux avoir un avis différent. Ça vaut pour toutes les générations. Ouais. Bah, oui, bien sûr. J'ai reconnu la télé en noir et blanc. Tu peux retirer ta main de ma cuisse, s'il te plaît, merci. Quoi ? Il n'a pas connu les écrans cathodiques. Si, j'en ai connu, et j'ai connu ça. Il y avait d'autres vues aussi, hein. C'est vrai. Mais non, mais je pense que après, mon point de vue, c'est peut-être un point de vue super con, mais je pense que tu passes un contrat tacite avec ton audience aussi. C'est moi qui dis ça, qui fait sens d'écoute et qui suis content, mais qui fait sens d'écoute sur l'intégralité d'un podcast, mais je pense que tu passes un contrat tacite avec tes auditeurs, et de toute manière, si tu ne respectes pas ce contrat tacite du « d'accord, je vais faire un placement de produit, mais je vous explique en quoi », ou même genre, tu sais, les vannes sur Red Shadow, autant sur NordVPN c'est différent, mais Red Shadow Legend, t'envoies partout, ils sortent la même merde, tu sais que oui, c'est à la fin, tu commences limite à en rire qu'ils te sortent exactement le même speech, et tu en rigoles de ça, mais... Je pense que c'est vraiment, je sais plus où je voulais en venir, mais je pense que ce qui est important, c'est ce contrat tacite que tu passes entre toi et ton audience, ou même c'est une histoire de communication. Vraiment, pour moi, c'est une histoire de communication. C'est oui, tu n'auras peut-être pas la même indépendance si tu fais un épisode sur quelque chose ou si tu es sponsorisé par quelque chose.
juste même sans que ce soit genre sans que ce soit écrit que t'as pas le droit de dire telle chose, mais juste si tu dis oui mais si me sponsorise, si je dis du mal d'un truc ou un truc qui pourrait pas les plaire, je peux me faire strike. C'est comme sur YouTube et toutes les plateformes quoi. Mais ça peut t'auto-censurer. Mais je pense que si tu arrives à bien expliquer et à bien faire comprendre à ton audience pourquoi tu fais ça, je pense que ça passe. Et mais c'est un point de vue purement utopique. Mais voilà, pour répondre à ce que tu dis, moi pour ma part, j'ai fait un choix qui est très clair. Le podcast sur lequel je vais travailler ne sera pas sur mes flux RSS, par exemple. Si jamais les gens souhaitent s'abonner, ils feront la démarche d'aller s'abonner directement chez l'éditeur en question. Les podcasts que tu vas trouver sur tmdjc.com, c'est des podcasts que je fais gratuitement et qui sont mis à disposition des gens. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Je fais la part des choses. Je veux pas me faire sponsoriser pour les podcasts en fait que je fais déjà à l'heure actuelle. Bah oui, mais c'est aussi, je trouve que ta démarche, tu vois, c'est une histoire de communication. C'est comme si tu séparais ton côté hobby et ton côté professionnel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire comme les gens font dans la vraie vie d'habitude, quoi. Globalement, sauf que toi, c'est la même activité des deux côtés. C'est ça. C'est ça. Ou c'est comme si t'écrivais dans un magazine et qu'à côté, tu continues de faire des fanzines. Ou un mec qui est mécanicien dans la journée, le soir, il répare sa bagnole qu'il a envie de réparer, quoi. Regarde, tout à l'heure, on parlait de Zemmour, cet homme totalement fantastique. Je veux dire, bon, c'est quelqu'un qui crée des livres. Tu vois la porte avec Escape à côté. Vite, il faut censurer ça. Hitler. Non, mais j'ai juste vu un synonyme. Mais bon, pardon. Mon Dieu. Quelle infamité. Non, mais de toute façon, j'aurais pu parler de Gargamel. Est-ce que ça vous dérange vraiment la publicité dans les podcasts, que ce soit un sponsor ou que ce soit une coupure pub au début? Dès lors qu'il y a de la pub, quel que soit le média, dès lors qu'il y a de la pub, il faut bien se dire qu'effectivement, les gens qui travaillent dans ce média, ils vont peut-être à un moment se retenir de dire certaines choses. Et peut-être aussi, ça appelle un peu l'intelligence. Et là, justement, pour en avoir discuté, là, je prenais l'exemple magazine fanzine, pour en avoir discuté avec quelqu'un qui est dans la presse spécialisée qui à côté continue de faire du fanzine, c'est effectivement dans les magazines, il y a certaines chroniques que j'ai écrites où je faisais appel à l'intelligence de la lectrice ou du lecteur, à savoir est-ce que les gens qui vont lire vont être capables de lire entre les lignes, parce que des fois ils pouvaient pas vraiment dire du mal d'un truc frontalement, mais du coup ils prenaient des trucs un peu détournés et il fallait, quand tu lisais l'article, si t'étais habitué à sa plume, t'arrivais à comprendre que ça avait l'air positif, mais qu'en fait il y a des gens qui aiment les extraits. Ça c'est d'autant plus pernicieux en vrai. Il faut ne pas être dupe. Dès lors que tu t'intéresses à que tu lis ou que tu visionnes ou que tu écoutes quelque chose d'un média où il y a de la pub, il faut se dire qu'à un moment ou un autre, les gens qui écrivent parlent ou qui font des vidéos, et à un moment, peut-être même sans qu'on leur dise quoi que ce soit, il y a un moment où ils réfléchissent à peut-être éviter de froisser quelqu'un qui leur donne vraiment beaucoup de thunes. J'irais encore plus loin, parce que c'est pas forcément de la pub, mais à partir du moment où tu fais de l'argent avec ce que tu crées, parce que si c'est pas par la pub, ça va être par ton audito, par tes auditeurs. Si ils te payent, à un moment donné, ils s'attendent à retrouver toujours la même chose. Et donc, si tu gagnes la vraie question que je me pose là maintenant, en fait, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on va parler du fait que, est-ce que c'est bien ou mal de faire de la thune avec son podcast ou sa chaîne YouTube, bref, on s'en fout? Ou est-ce que c'est mal de faire de la thune en étant sponsorisé, partenarialisé, en faisant de la pub? Ça, c'est deux choses qui sont extrêmement différentes pour le coup. Et après j'aimerais juste dire un truc pour un truc un peu personnel. Vous répondez à la question, monsieur Bigaston. Pardon. Les Français ont le droit de savoir. D'accord. Non, vas-y, je déconne. Mais je veux dire. Non, mais pas moi. J'ai paniqué un instant, je panique. Mais monsieur Zemmour, pardon. Mais vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas. Bref. C'était une imitation, ça? Ouais, une imitation très pourrave d'un mec qui se prend un peu trop la tête sur. Bref. Ah, j'ai craché sur mon écran, là. Il est très professionnel, il a une certaine heure. Et en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que l'argent qui fait ça. Genre, c'est un truc totalement con. Mais personnellement, du coup, j'ai découvert TikTok et j'ai mis mon podcast Capsule Pixel sur TikTok. Ouais. Je remarque que les épisodes qui marchent le mieux sont les trucs dédiés à des jeux mobiles ou des jeux très simples. Ouais. Même inconsciemment. Pour les débiles, tu veux dire?
Non, non, mais c'est tout ce qu'il essayait de pas dire, bien joué. Non, non, mais non. Je suis sur TikTok et il y a un public très simple. C'est ce qu'on appelle des jeux à la con blindée de pub. Ouais. Pub. Mais non, ce que je veux dire, c'est j'ai entendu aussi. Je veux dire, mon contenu fait peu de vues un peu partout. Il y a que où TikTok où il marche. J'ai envie, même si ça me fait inconsciemment chier, je me suis forcé à faire un épisode sur un jeu. C'était la galère. Mais sur un jeu mobile, mais c'était la galère. Mais d'un autre côté, tu te dis, bah TikTok ça marche, donc je vais pousser pour que ça marche plus, encore plus en fait. C'est genre c'est même il y a pas besoin d'avoir de la thune pour faire ça en fait. C'est même ça peut être juste les vues ou ça peut être juste la reconnaissance. Je pense c'est que comme tout, ça dépend de ton ambition. Hein. C'est ça. Et je pense que même on parle de la thune, mais ce la thune c'est peut-être encore pire que ça. Mais avoir juste simplement, tu sais, des écoutes, de l'audience, des commentaires, ça te donne, voilà quoi. Oui, parce ça que arrêtons de dire que quoi qu'il arrive, on fait pas pour l'audience. Tout le monde a dit ses chiffres de podcast tout à l'heure. Parce qu'évidemment, on est intéressé de savoir ce qu'on dit est écouté. Donc quoi qu'il arrive, il y a de toute façon une influence. Je suis assez d'accord avec Randall là-dessus. De toute façon, si tu publies quelque chose, c'est pour se écouter. Et voilà, sinon, tu ne publies pas. Ça, exactement. Parce que perso, je ne cours pas après les chiffres, mais très honnêtement, il m'arrive régulièrement de la regarder pour voir où ça en est, si ça continue à être téléchargé. Et non, voilà. Enfin, je veux dire, on le fait tous à un moment ou à un autre, c'est certain. Ouais, tu le dis, est-ce que je ne parle pas dans le vide, quoi ? C'est ça. Mais ne serait-ce que pour ça. Mais voilà, je pense qu'on parle beaucoup de l'argent parce que oui, c'est le gros sujet, mais je pense qu'il n'y a pas que l'argent qui peut faire ça. Et même juste une reconnaissance. Genre, je sais que si j'étais amené à un moment travailler avec quelqu'un que j'estime et des choses comme ça, oui, même consciemment ou inconsciemment, je serais plus amené à faire des choses qui lui plaisent et à me museler sur des choses qui pourrait ne pas lui plaire pour maintenir cette connaissance, même en étant le plus honnête possible. C'est peut-être con et c'est peut-être juste parce que j'ai pas beaucoup d'expérience, mais voilà, c'est il y a pas que l'argent qui fait ça en fait. Ouais. Bah, je pense qu'il y a aussi une histoire de balance, c'est-à-dire que après les autres signes astrologiques marchent aussi, mais oh, si tu... et surtout c'est qui la balance qui se dénonce. Moi je suis Poucave. Il faut en fait que certes, tu peux faire des compromis entre guillemets et partir dans une direction qui plaît plus à ton public, enfin ou à un public qui t'a trouvé que toi. Enfin, mais il faut quand même que ça te plaise un minimum. Et si à un moment donné ça te gonfle trop, c'est sûr que tu vas plus aller dans cette direction. Oui, oui, clairement. Même si tout le monde est à fond là-dessus. Et d'ailleurs, il y a à mon avis beaucoup de YouTubeurs ou de podcasteurs ou quoi qui en fait au bout d'un moment arrêtent parce que même si ça marche et qu'ils sont au plus de leur succès, ça les saoule quoi. Ils ont plus envie. Je suis complètement d'accord. Mais est-ce que, pour revenir sur le sujet de l'argent, etc., est-ce que, du coup, c'est le pas... Le sujet, c'était la rentrée. Attends, oui, le sujet, c'était la rentrée du podcast, mais, oui, il me semble. Ouais, on est un peu loin, là. Mais c'est marrant, parce que chaque chandouille chez Micro, ça finit comme ça. Oui, mais juste pour revenir sur ce truc-là, où on parle de publicité, on parle de sponsors, etc., mais est-ce que, justement, les histoires de faire des tips, des uTip, des Tipeee, tout ce que tu veux, je te fais une transition vers le sujet d'après. Oh, tu es beau, tu es merveilleux, tu es glorieux. Est-ce que ce principe de sponsoring, mais par les gens, est-ce que c'est pas finalement la meilleure solution parce que c'est le public qui te donne à toi en tant que personne et qui ne te donne pas par rapport forcément à un sujet, qui ne te donne pas par rapport à une publicité, qui c'est, ouais, c'est pas quand même par rapport à tes produits, te donne par rapport à un sujet, je suis pas sûr. Hein. Ça dépend alors, comment c'est fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément parce qu'il donne que quelqu'un donne directement à un podcasteur que t'es pas influencé par le fait qu'il te donne parce que tu vas garder la même image que t'avais dans l'épisode d'avant, par exemple. Alors, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a des gens, ils se font, ils se font engueuler dès qu'ils changent de ligne éditoriale. Il n'y a aucun moyen de faire de l'argent de manière 100% vierge. Oui, ça, en fait, je suis d'accord aussi. Rien faire, hein, venez, on arrête, on fait plus rien. J'ai rien contre le fait de faire de l'argent. Juste mais pour répondre à ta question, je pense que ça dépend aussi comment est donné l'argent et comment tu l'intègres. Si l'argent est donné comme un pourboire ou comme un merci à ce que tu as déjà fait, entre guillemets,
tu dois plus rien. Tu pars du principe que on t'a dit merci pour le travail rendu et tu produis quelque chose de neuf sans te poser de questions. Ça serait vraiment le pourboire et pas le paiement récurrent, par exemple. Voilà. Si ça devient un paiement récurrent, là, tu te dis, OK, pourquoi il me paye? Est-ce que c'est parce que, si t'es un podcasteur qui a qu'une émission, tu sais que c'est pour cette émission-là. Donc, effectivement, le risque, c'est d'essayer de coller à ça. Est-ce que, comme certains podcasteurs, tu décides de dire que, voilà, moi, je fournis tout ce format gratuitement. Si t'aimes, tu peux en plus filer des thunes. Et si tu files des thunes, il y a des contreparties. Moi, par exemple, j'ai un podcast qui n'est accessible qu'aux gens qui me filent un coup de main. Et c'est un truc qui est fait uniquement pour eux, où je vais diffuser des trucs que je diffuse pas en temps normal, des off, des bêtisiers, des trucs qui sont un peu barrés, ou même des confidences en disant, voilà comment j'ai monté tel podcast, voilà comment j'ai créé tel générique, ou etc. Et c'est vraiment le côté en plus. Et du coup, il y a quelque chose qui est donné parce que tu m'as donné de l'argent. Mais c'est un problème de ce type de plateforme, hein. Parce que pour le coup, je crois que légalement, ils ne peuvent pas te transférer de la thune. Il faut qu'il y ait une contrepartie, parce que sinon, ça leur donne le statut de banque ou une connerie comme ça. Il me semble avoir. Non, mais la contrepartie, ça peut être n'importe quoi. La contrepartie, ça peut être ça peut être un PNG d'un pixel sur un pixel. On s'en branle. Ça peut même être un merci. Hein. Ouais, mais après, est-ce que toi, en tant que producteur de contenu, tu vas avoir les couilles de demander aux gens de te filer de la thune et de leur filer un pixel transparent? Je connais, ça s'appelle des NFT. C'est une super bonne idée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, de toute façon, je trouve ça drôle. Ouais. Le pire, c'est qu'il y en a que je suis sûr qu'ils donneraient pour ça. Non, mais bien sûr, en vrai, c'est drôle. Mais moi, j'en connais des connards qui vont gueuler parce qu'ils l'ont pas reçu alors que c'était évident que c'était une blague. C'est ça. Tu connais beaucoup de connards, Phil. Alors, moi, je serais malin. Moi, je le mettrais à télécharger. Les mecs, ils se débrouillent après. T'as été plus malin que moi. En point JPEG. Un transparent en point JPEG. Ce génie. Génie mental. Mais en fait, c'est un PNG, mais il faut le renommer. Un PNG transparent renommé en JPEG, il est lu comme un PNG. Hein. Ah bah oui, si le logiciel est cohérent en face, oui. Mais t'imagines, tu dois fabriquer ta propre contrepartie en donnant de la thune. Tu donnes de la thune pour bosser, c'est du génie. Mais si tu donnes 5 euros, il est en JPEG, et si tu donnes 10 euros, il est en PNG. Putain, attendez, il y a un modèle économique, je vais prendre des avis. Non, mais c'est encore mieux, c'est que tu files un JPEG transparent à la seule et unique condition que tu donnes en plus, parce que sinon, par défaut, il est pas transparent. Et si tu donnes 15 euros, il te file le PSD. Attendez, parce que là, on est combien autour de la table, parce que je m'engage à donner 10% de mes revenus là-dessus, à l'intégralité des gens de cette table. Oh, ça va piquer. 10% chacun, on est à 100%. Non, vous êtes à 10% à vous partager entre vous. Ouais, attendez. D'accord, ok. T'as changé, tu es payé PNG. Ça fait un peu moins d'1% chacun, quoi. Ouais, t'as vraiment changé depuis que tu gagnes des thunes. Prends l'argent. Je ne gagne pas d'argent, c'est vrai. Ils gagnent de l'or. Exactement. Et du zinc. Malin. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause avant de passer à la partie 2. Ah, tu vois, je croyais qu'on l'avait commencé, moi, du coup. Mais justement. Bah ouais. Et la partie 2, on va vraiment se lancer dans le vif du sujet du Tipeee. Et du scandale qu'il y a eu il y a pas longtemps. Donc, du coup. Mais il y avait pas un jeu entre les deux? On commencera par le jeu, évidemment. Bah oui. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, ça sera incessamment sous peu, donc dans quelques jours que vous aurez la suite. Ça, c'est juste pour que tu puisses faire ton montage en deux fois. Exactement. Pour ceux qui vont donner des thunes, vous pourrez écouter le deuxième épisode. Pour les autres, vous n'aurez que le premier. Écoute un professionnel. Il sera accompagné d'un PNG transparent. Franchement, je tiens à dire que tu es obligé de le faire maintenant. Je veux que tu le fasses maintenant. Rien à foutre, je veux que tu perdes du temps à faire un PNG transparent. Tu pourrais le mettre sur la pochette de l'épisode et il faut qu'il soit en 1400 par 1400 pour iTunes. Il faut que tu le fasses à la main. Donc, faut que tu fasses un truc de 1 pixel par 1 pixel transparent dans une pochette de 1400 par 1400. Non, tu l'agrandis après. Tu fais un trou dans une pochette. C'est que tu t'en fais de 1 par 1 et ensuite tu agrandis l'image en 1400. Ça fera 1400 par 1400 du coup. Ce sera upscalé. Ce sera du transparent un peu moins de bonne qualité que si tu l'avais fait directement. Mais au moins. On gère pas la transparence, je crois, sur PodCloud. Je ne sais pas. C'est pour ça que je te demande de le tester. Je te le dis, tu mets un fond blanc. Je crois qu'on transforme l'image en JPEG, oui, parce que ça faisait des trucs bizarres. Il y avait des gens qui mettaient justement des pochettes transparentes et ça faisait des trucs chelous. Voilà. Donc, du coup, on va faire une petite pause, se lever un petit peu parce que c'est bon pour le dos. Et pour le moral. On se retrouve, nous, dans, on va dire, un petit quart d'heure. Quelle heure il est?
Il est 23h, ok, ouais, il est super tard déjà. Il est déjà super tard pour une deuxième partie qui sera probablement un peu plus courte. Et, donc du coup, on se retrouve à 23h20, messieurs. Et pour les autres, merci d'avoir écouté cette première partie. Donc on se retrouve dans quelques jours pour écouter la suite de Sandwich et Microphone.